Attendez, je m'étire. Oh. Allez hop. Je suis bien étiré là. Ah, ah ouais ouais, juste étiré ouais. Hop. On va se mettre là, tranquille. Bonjour YouTube. J'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne session dans Novigrad si tu as regardé la dernière VOD de Witcher 3. On s'est éclaté. C'est parti pour la daily run du jour. On est à la 24e session, je crois, donc il reste 6-7 daily run grand max. Et puis, c'est parti évidemment pour un max d'unlock, comme d'habitude. Let's go. Du Blue Baby apparemment avec Keeper. Donc une run Keeper, il va falloir faire attention quand même. Ok, donc ça se termine pas au pied de Mom, ça se termine pas au cœur de Mom, ça se termine à Cathédrale. Isaac, il faudra chercher Isaac. Donc attention évidemment. Trop peur d'être Covid-Dead, je commence à être enrhumé, yes. Bah, let's go faire un petit test. Hein. Ça sera fixé, hein. Ça se barre. Hein. Alors là, ce qu'on aimerait bien, évidemment, c'est la méta. Oh là là. Il nous faut la méta des. Oh, c'est bien, ça, belle optimisation. Super. La méta des Sacrifice Room. On est avec Keeper. Il faut un max de Sacrifice Room pour un max d'objets d'Angel Room. J'ai l'impression que le son est 10 fois trop fort, mais c'est peut-être juste ma voix qui n'est pas assez forte ce soir. Petite voix. Petite voix. Ah, j'aurais dû tester. Attendez, on peut encore tester. En tout cas, si on ouvre les deux Secret Rooms gratuitement, en vrai, ça fait bien plaisir. Dommage. C'est le jour de la marmotte aux US, c'est pour ça. Ah, genre, hier, il y avait vraiment déjà cette Daily Run-là, donc il y a deux fois la Daily Run d'affilée. Putain, mais c'est terrible, parce qu'à chaque fois que j'ai fait des saves, moi, j'avais pas vu tous ces trucs-là, hein. Donc tous ceux qui ont fait la daily run hier, ils pouvaient tryhard celle-là en mode c'est la même exactement. Putain, c'est trop stylé en vrai. Par contre, pourquoi il y a deux bombes en vente? Ah oui, parce qu'il peut pas acheter de cœur. Ok, ok, ok. Je savais pas du tout qu'il y avait ce genre de délire en vrai. C'est exactement la même, sauf que je suis mort aujourd'hui. Oh merde. Un coup dur. Hein. Le coup dur. Hein. Je vais essayer de pas mourir moi. Je promets rien, mais je vais essayer de pas mourir. Merci Peroun pour les 18 mois, des gros bisous. Merci, merci. Non, la musique est peut-être forte, ouais, j'ai baissé un tout petit peu. Je sais pas. C'est peut-être moi aussi. Hein. On va aller au shop parce que, en fait, j'ai pas de clé. C'est bien beau d'ouvrir des coffres jaunes, mais si c'est pour avoir zéro clé derrière, c'est pas très intéressant. Le smelter, la carte. Vas-y. Pas Curse Room. Bah, en fait, si je me fais toucher dans la Curse Room, je suis mort. Donc, non, pas trop Curse Room, non. C'est pas des masses l'ambiance. Je vais laisser une pièce au cas où le boss est relou. Famine. Ouais. Ça aurait pu être mieux, quoi. Ça aurait pu être mieux parce que là, on va avoir un cube of meat, une boule de bandage. Et c'est pas trop l'ambiance avec, avec Keeper. Ok. Bah allez. T'as jamais entendu la musique, donc il y a peu de risques que ce soit trop fort. Comment ça, y en a qui entendent pas la musique? Ah oui, c'est vrai que si vous êtes genre sur haut-parleur et tout, le son du stream est un peu plus adapté au casque. Putain, mais je deviens aveugle en fait. Hein. Vraiment, là, j'enlève mes lunettes, je vois plus rien. Hein. Je me suis trop adapté à mes lunettes pour lire le chat en fait. Vous êtes à la parfaite vision de mes lunettes. Si j'enlève mes lunettes, je vois un gribouillis qui fait mal aux yeux. C'est terrible. Hein. Curse of the Blind IRL. Hein. Les écrans m'ont tué. Pourquoi j'ai pris la pièce de 5? Fallait vraiment pas que je le fasse. Malaise. Hein. Je vois comme toi en 160p. Non mais le pire c'est que si genre j'enlève mes lunettes et que j'attends 2 minutes, c'est bon, mais quand genre je lève un peu mes lunettes juste pour regarder le chat, je vois un gribouillis là, un gribouillis qui pique. Plus je prends la lumière, bam, dans la tête, c'est terrible. Terrible, terrible. On va mettre une bombe là, on va choper deux bombes. J'ai pas opti, oui. N'hésitez pas à me dire bien sûr quand je n'opti pas. Quand j'ai pas opti. J'ai pas opti, c'est vrai, s'il y a une curse room, là, c'est un peu terrible. Enfin, pas une curse room, mais une sacrifice. Sur la moindre sacrifice room, là, on serait dégoûté d'avoir perdu une pièce de 5 par terre. Après, il y a plein de pièces, regardez-moi ça, c'est fou. Il y a tout ce qu'il faut, en fait. Et bien plus encore. Faut faire les mêmes commentaires qu'hier aussi. Quoi? Quel commentaire? Qui c'est qui est pas mort, là? Oui, vu. Oh, l'ennemi invisible. La Soul of Jacob et Issou. On a le shop gratuit dans tous les cas, donc on peut rentrer dans le shop gratuitement. Merci Psychometteur, 4 mois, et de 4. Merci, merci.
Vous pouvez me dire que je suis pas opti comme ça, gratos, à la relever, bien sûr. Hein. J'avais une question avec mon niveau sur Isaac. Une run Azazel V2 qui va au chest et gagnable sans rien prendre à côté. Sûrement, oui. Sans rien prendre à côté, au moins des cœurs, quand même. Si t'as pas le droit de prendre des cœurs, ça va très vite être chiant, quoi. Mais, ouais, je pense que c'est gagnable. Putain, j'ai mal placé ma bombe, c'est terrible. Ça va juste être un peu relou, quoi. C'est pas le genre de défi que t'aimes faire, en fait. Bon, je la prends, la pièce de 5, parce qu'on a vraiment tout ce qu'il faut dans l'étage. Tat-tat-tat-tat. On va avoir des pièces partout. Et du coup, on a bien une sacrifice room. Ça fait plaisir. Tat-tat-tat-tat. Oh, oui, il y a même un rocher, ok. Ça fait plaisir, ça. Pas de bête 16. Pas de bête 16. Ok, il y a tout ce qu'il faut. Du coup, on va pouvoir godroom notre premier étage, là. C'est bien, ça. Elle est bien placée, cette sacrifice room, pour commencer directement avec une godroom. Hein. Bon, la dinguerie, hein. On a vu Boba Fett épisode 6, hein. No spoil, mais... C'est vraiment bien, hein. Boba Fett, les 4 premiers épisodes, c'était mi-bien, mi-à chier. Là, les deux derniers, quand même, le 5 et le 6, c'est cool, hein. On s'amuse bien, hein. On est content d'aimer Star Wars, un peu, quand même, hein. C'est mou, la Daily Run, c'est la même qu'hier. Bah ouais, mais on l'a pas fait hier, nous. On n'a pas streamé Isaac hier. Donc, moi, je sais pas du tout. Vous aurez pas de surprise, mais voilà. Oh là là, mais il y a tellement de pièces dans cette run, c'est la folie. Tu prends un DVD et que tu trouves un HP up après, tes HP peuvent remonter jusqu'à 3. Oui, oui, bien sûr. Mais c'était déjà le cas avant, ça. Hein. Ouh là là, non, mais attends. Il y a trop d'histoires, là. Ah bah, ça, c'est non. Ça, c'est tout simplement, c'est... Va te faire foutre, dans le milieu, on l'appelle. Hein. La prochaine série sur Obi-Wan, ça sort quand? C'est cette année. Cette année, normalement, il y a Obi-Wan, Ahsoka Tano... Là, j'ai en même temps peur. Hein. Et en même temps, genre... Enfin, je sais pas, la série Obi-Wan, j'ai... Je suis Yankly EX, en vrai. Hein. Hello there. Imaginez, il faut revenir, genre Grievous et tout. Ce serait dingue. Moi, je suis chaud. Grievous, le dernier rempart. Hein. Bon, j'en suis où, là? J'ai mis combien de coups dans le bordel, hein? Ta-ta-ta-ta-ta. Diplo Sacrifice. J'ai mis que 4 coups, là? Ça, c'est que le 5e? Vous foutez de ma gueule, hein? Vous vous moquez de moi, là? Tintin. Merci, Manu of the Death, pour les 7 mois. Hello there. Oh non, sa mère, c'est nul. Oh, oh, la TP, on allait la voir, la Godroom, dans tous les cas, et c'est pour qu'il y ait ça dedans. Duality, quoi. Envie de péter un plomb. Ah, oh, et puis pas d'objet. Nul. Nul. À chier. Ça va. Mais non, ça va pas. C'est pas bien. Surtout que mon diplopia, là, du coup, j'ai pas d'intérêt de le prendre. Je vais prendre les clés. Tout ce setup pour de la merde et un blood puppy. En vrai, c'est terrible. Non, mais là, ce que je fais, je tue le boss. Et selon l'item de boss, je diplo, quoi. Si c'est un item qui donne du tier raid, par exemple, c'est bien. Le diplo Libra, ça n'avait vraiment aucun intérêt. Diplo un morceau de clé, ça n'a aucun intérêt aussi. Non, je vais pas pouvoir choisir le Devil Deal parce que je suis déjà rentré dans la Godroom, là. J'ai pris Libra dedans. On peut pas arnaquer comme ça, hein. C'est pas possible. Non, mais là, il faudrait un truc bien, quoi. Ça va être un HP up. Ça va être un HP up 100%. Bon, j'arrête de mal parler, mais c'est vrai que bon... Après, j'ai pas besoin des morceaux de clé, du coup. Bon, ça va. Ça va, on a vu pire. J'arrête de mal parler. Ça va, ça va. J'ai eu peur, hein. Je suis rassuré. Après, c'est un damage up. Hein. Après, c'est qu'un damage up speed up, c'est pas non plus... Non, en vrai, c'est fou. En vrai, je pense que c'est un des meilleurs trucs qu'on puisse diplo en early game comme ça. Enfin, sur item de boss, parce qu'après, diplopia, tu veux plus le claquer en godroom ou un truc comme ça, mais...
Là, sur item de boss, c'est vraiment ouf. Ça compte comme deux spuns. Alors, depuis Repentance, oui. Normalement, ça va compter comme deux seringues sur trois. Ouais, le speed up est fou. On commence à 0,9 avec Keeper. Enfin, c'est juste dingue. C'est clairement un des meilleurs trucs qu'on pouvait avoir. Puis ça se stack vraiment. Hein. C'est les deux speed up, les deux damage up. Hein. C'est fou. World of Wisdom et Trash Talk le jeu, c'est dans la notice du Shishanshin, bien sûr. Salut Fanny. Son item s'appelle aussi Libra comme le signe du Zodiac. Hein? Non, c'est Duality. Des fois, je dis Libra, mais c'est Duality l'objet. Si jamais je me suis trompé, non. C'est pas Libra, c'est Duality. Ça m'arrive souvent. T'as épicé deux secondes, t'as tout loupé. Quoi? T'as pas tout loupé, t'as juste loupé un Diplopia sur une salle de boss. Et un en Secret Room, apparemment. T'as dit Libra, je comprenais pas. Moi, je me trompe. Ça arrive des fois. Hein. Cassons-nous. Bah, en vrai, on a déjà du damage up, donc c'est cool. Ah! On va mettre une petite pièce là. Toujours passer aux toilettes avant le stream. Allez, ça, si vous voulez pas louper un play Diplopia de folie, comme celui qu'on vient de faire, faut aller faire pipi avant. Avant de venir en live. Alors, défense ça là. J'ai fait l'erreur récemment de boire du café. De certaines journées. Et du coup, les journées où je bois pas de café, c'est terrible. J'ai l'impression de prendre un coup de bambou sur la tête. Faut vraiment que j'arrête. Hein. J'arrête le café. C'est à chier. C'est le pire truc. Ton corps, il s'accommode trop vite. Il fait, ouais, trop bien le café, mec. Quoi, tu m'en donnes plus, là? Bah, crève. Faut que j'arrête. Si je veux en reboire, je boirai du DK. Surtout que le café, ça me rend aigri. Enfin, là, ça m'a pas rendu aigri parce que c'est pas genre du café noir. Tu me prépares pas le café noir, tu vois. Bah, c'est la musique des raids, ça. Merci beaucoup, Némélia, pour le raid. Là, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette musique? Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Je sais pas ce que vous faisiez. N'hésitez pas à dire ce que vous étiez en train de faire. Nous, on vient de lancer une soirée Isaac. Là, je suis en pleine forme. Merci Radiféros pour ce beau faire à Débélia. Tu arrêtes quand tu veux le café. Fanny, elle est full café aussi. Ça dépend de la quantité, j'en prends jamais plus de deux les nuits où je bosse. Moi, c'est mon père, je crois que c'est terrible. Hein. Après, il boit que des expressos. Bah, c'est pire les expressos. Ouais. Mais mon daron, c'est... Si je me rappelle bien, il se lève, il prend un petit café avant d'aller au travail. Arrivé au travail, il reprend un petit espresso. Là, dans la journée, il doit en prendre un ou deux aussi. Et puis, en rentrant du taf, 17h30, un petit café, quoi. La journée de taf est finie, ça se fête, un petit café, quoi. T'as jamais vu la différence entre journée avec et journée sans? Waouh, bah la chance, hein. C'est pareil, hein. En prépa, dès que je prenais des petites journées café, je sais que les journées où j'en avais pas, j'étais au fond. Avant 20h, le café, c'est valide. Verre de vin le soir, non. Same, mais quand t'es habitué, ça va. Ouais, mais je suis sûr que je lui demande une journée sans café au daron. Ça lui ferait tout drôle, quoi. Après, je dis rien, hein, c'est normal, hein, mais on a tous nos trucs pour tenir la journée. Petite pécheresse le soir. Oh, m'en parle pas, putain. Une petite pêche Melbuche avant d'aller se coucher, là. Ah non, mais je vais pas prendre lui, quand même. Putain, mais il y a vraiment que les pires objets. Le café, quand t'es fatigué le matin, t'es fatigué en tachycardie. Ça me fait ça aussi. Moi, le café, ça me fait battre le cœur trop fort. Hein. C'est insupportable. Je crois que le pire, c'est quand je faisais des soirées au Red Bull. Vraiment, je me disais, c'est trop mal. J'arrivais pas à dormir dans le lit. Genre, j'étais fatigué. Ça, c'est validé. Genre, soirée au Red Bull, j'étais fatigué. Plus tachycardie. Il y a encore une sacrifice room. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment terrible. Je détestais ça. J'ai fait des soirées vraiment à me faire peur, où je me réveillais vraiment en panique, avec genre le cœur qui battait à 100 000 à cause de ces saloperies. Je déteste. Merci Marilyn pour les 6 mois.
Des gros bisous, merci Japaka pour les 2 mois de prime. Du coup, j'ai pas eu le temps de voir ce que vous étiez en train de faire juste avant. Qu'a dit Némélia ? Qu'ont dit les gens ? C'était quoi le live juste avant, là ? On n'est pas des sauvages, ici, là. C'est les raiders. Némélia était sur Graveyard Keeper. Trop bien, meilleur jeu. Meilleur jeu, Graveyard Keeper. J'espère que vous buvez beaucoup de vin. Merci Anonymous pour les 20 subs offerts. 20 ? Allô ? Allô ? Il me fait des feintes, le GoXLR. Hein. Faut arrêter que tu me fasses des feintes, toi. Quoi ? Merci pour les 20 subs. Merci énormément. Merci Lonia Aendil pour les 8 mois de prime aussi. Des gros bisous. Merci beaucoup. Quand je vais mourir sans faire gaffe ici, ça va être beau. On a mis 3 coups. Tot, 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 tot. Merci énormément. Très gentil. Tu bois du café que au boulot en télétravail, j'en bois pas, il n'y a aucune différence. Après le télétravail... Moi, faudrait pas que je sois en télétravail. En vrai, si. En vrai, moi, faudrait que je sois en télétravail. On est à combien, là? J'ai pas calculé. Ça doit être le 6e coup que je vais faire, là. Je pense que j'en ai mis 5. C'était en effet le 6e coup. Vas-y! Ça fait 2 fois que j'emmène à 7 coups. Ça fait 2 fois que j'ai le cœur bleu. Mais du coup, des bouches, parce qu'on est équipeur. Merci Redrum pour les 3 mois de prime. Lucho Gonze. 5 mois, anniversaire de Zero to Dead God. On tient la cadence aussi chez les viewers. Bah écoute, GG. Hein. Merci Oling pour les 6 mois. Il y a eu une match sur Vampire Survivor. Non. C'est faux. Déjà, premièrement, c'est faux. Et deuxièmement, j'y joue plus jamais. Avant la 1.0. Moi, c'est fini. Hein. Vampire Survivor, c'est mort. Tant que la 1.0 n'est pas sortie, j'y touche pas. Rien à foutre. Je connais pas ce jeu là. Ah, une God Room par contre. Ah! Ah, il se passe des choses là. Il y a potentiellement de quoi créer 2 objets de God Room, mais je pense que le play c'est Dead Dove. Hein. Dead Dove ici c'est largement le meilleur, je pense. Est-ce qu'on va prendre le A+? Je pense que oui. Il y a des choix à faire. Non mais clairement. Vampire Survivors, moi je sens que le jeu va être trop bien en 1.0. Et je sais absolument, pertinemment, que si je fais toutes les mages et tous les succès à chaque mage, quand le jeu va sortir, je vais être en mode dégoûté. Donc j'arrête. C'est la meilleure stratégie possible. C'est comme Hades. Bon, évidemment, c'est comme Hades. On va se calmer quand même. Mais je veux dire, voilà, c'est à peu près le même délire de phase qu'Hades. C'est-à-dire qu'Hades, j'aurais pu faire toutes les mages et y jouer 20 heures à chaque mage. Et j'aurais pas pris la même phase à la 1.0. Mais bon, je vais arrêter de dire que c'est comme Hades quand même. On va respecter Hades. Pour Unlock Forgotten, Azazel, normal. Normal mode. C'est comme ça que je fais à chaque fois. Tu peux aller check les VOD où je le débloque. Si jamais tu veux voir comment je me débrouille. Moi, je sais que... Après, c'est perso. Hein. Il y a des gens, ils peuvent poncer une Early Access et reponcer le jeu une fois qu'il sort. Pourquoi j'ai fait ça, putain? Moi, perso, si je ponce une Early Access, 100% quand le jeu y sort, j'en ai déjà marre, en fait. Parce que, bon, bah voilà... Y a pas de miracle, quoi. Souvent, entre la 1.0 et l'Early Access, y a pas non plus des milliards de changements, quoi. Si t'as fait toute la roadmap, tu sens pas trop la différence, en fait. Y a plus trop de surprises, en fait. Vous pouvez voir Forgotten débloqué par Tainted Forgotten. Ça, c'était quand même grandiose, ça. Je sais pas si on l'avait fait. Ah non, ça, on pouvait pas le faire. Non, mais vous pouvez aller voir, genre, Forgotten débloqué par Forgotten. Ça, c'était grandiose. Oh! Oh, il faudra encore une Sacrifice Room, là. Cool, Sacrifice Room. Il y a une pièce infinie. Par pitié! La 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 la. Oh, ça sent le Magic Mush. J'ai tout le temps le Magic Mush en Daily Run en ce moment. Ce serait beau que je l'ai encore. S'il te plaît. J'aime pas ce qu'il fait, Strinket. Il peut donner un objet de mom au pif dans les salles, non? Je crois que c'est globalement de la merde. Merci The Illest Villain pour les 14 mois. Des gros bisous. Soulsbringer, j'ai poncé leur lit. Et j'ai resurponcé à la sortie. Ah, voilà. Mais il y a clairement des gens qui poncent dans les deux cas. Hein. Non, c'est pas ça que je veux. Est-ce que je commente les State of Play ce soir ou rien à foutre de Gran Turismo? Ah bah, vous connaissez ma passion pour les voitures, hein. Nous allons évidemment
regarder le State of Play Gran Turismo, puis le décrypter en 0.5 pour vérifier les marques de voiture, les passages de vitesse, les rendements, les couples moteurs. Ouais, on va vérifier tout ça, hein, bien sûr. On va décrypter tout ça. Je suis un grand fan de Gran Turismo et de voiture. J'adore ça. Je n'ai d'ailleurs pas le permis, ni le code de la route. Mais j'adore les voitures. Non, Gran Turismo 7, c'est vraiment le... Enfin, je veux dire, si le jeu vidéo, c'était ça, je jouerais pas au jeu vidéo. Si le jeu vidéo, ça se résumait au jeu de voiture, bah je jouerais pas au jeu vidéo. Terrible. Terrible histoire. C'est l'inverse de la hype pour moi, c'est ça. C'est vraiment le... Même Burnout 3. Bah après, non, c'est oui, c'est sûr qu'il y a les jeux de simulation et les jeux un peu arcade. Il y avait des jeux arcade intéressants, mais globalement, c'est... Je pense que le seul jeu de voiture que je peux accepter, c'est Sega Rally 2. J'adore Sega Rally 2. Très très grand jeu. Non mais faut arrêter. C'est quoi cette Runkeeper, là? Qu'est-ce que c'est que cette brasse? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mario Kart, non. Non, pas Mario Kart. Bon, Sega Rally 2. Sega Rally 2, jeu incroyable. Jeu formidable. Easy right, easy left. Forza Horizon, non. Non, 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 j'aime pas les voitures. Cette run t'a cassé la gueule. Bah écoute, on va espérer qu'elle nous casse pas la gueule. Hein. Tatin. Oh. Non, j'aime pas les voitures. Je crois que les seuls jeux auxquels j'ai joué de voiture, vraiment, c'est des jeux de rallye, genre Dirt. Et bon, Need for Speed Underground, j'avais fait aussi, c'était marrant. Sur GameCube. Et bah, Sega Rally 2. Midnight Town Madness. Ah oui, celui-là! Ah oui, Midnight Town Madness, il était sur... Oh, le D1. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Midnight Town Madness, il était sur Dreamcast. Celui-là, je l'ai un peu joué aussi. Ouais. Midnight Madness, enfin, je sais plus comment il s'appelait, mais... Celui-là, j'ai joué. Bah, je l'ai encore, d'ailleurs. Je parle bien de Need for Speed Underground. Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai mal parlé? Trackmania aussi, hein. Après, il y a les jeux où c'en est pas, tu vois. C'est pas des jeux de voiture. Pour moi, Trackmania, c'est des jeux de course, mais c'est pas un jeu de voiture. C'est futuriste, c'est un peu... c'est fantasy, quoi. Ça a vraiment rien à voir avec Gran Turismo, Forza et jeux comme ça. Ça n'a rien à voir, quoi. Ce serait me dire, genre, t'aimes pas les jeux de voiture, t'as jamais joué à Rocket League, tu vois. Enfin, genre... Ça a pas de sens, quoi. Après, si t'as une vraie aversion pour les voitures, tu joueras pas du tout à Rocket League non plus, mais... Non, moi, j'ai une aversion un peu pour les jeux de voitures simu... où le but, c'est vraiment de conduire des voitures. Mais d'ailleurs, c'est vrai que tu me mets dans un jeu comme GTA, les phases où faut conduire une voiture, j'aime pas ça, quoi. C'est pour ça que je me baladais aussi souvent en moto dans Cyberpunk. Parce que les voitures, ça m'emmerde un peu, en fait. Les jeux de conduite, en somme. Et conduire Ablette. Ablette, putain. Ablette, on préférerait que le sorceleur se balade à moto, quand même. Hein. Ablette, c'est terrible. Hein. Elle nous a fait des dingueries hier, Ablette, là, au niveau de la montagne. Elle voulait pas monter. Terrible. Non, faut pas que je ramasse les pièces. Ah oui, il y a encore une salle de sacrifice. Quel con. Ça se trouve, il fallait la jouer Devil Deal. Hein. Devil Deal, on avait déjà triple couteau là, et puis c'était parti en fait. Hein. Tu veux mourir? Tu veux mourir? La 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 la. Un coup oui. Deux coups non. Trois coups oui. On est à trois coups mi. Ablette en roue arrière. Hein. Non mais Ablette a fait clairement des dingueries. Oh bien ça. Est-ce que je vais enfin avoir un objet? Waouh! Oh l'esquive elle était pas très legit hein. Elle était un peu bizarre cette esquive hein. Si on peut revoir ça au ralenti. Je sais pas si je suis bien d'accord avec ce qui vient de se passer là. Hein. 5. J'ai un peu l'impression que c'est un miracle quoi.
Arbitre. Référé. Référé, please. Boule de bandage. Ah, j'avais pas vu. Ah, c'est la boule de bandage qui a dû. Hein. J'ai pas vu la boule bloquée par la boule de bandage, c'est pour ça. Bah yes, hein, 3 sur 3. 3 salles de sacrifice. Que dalle. Pas d'objet. Dommage. Et dommage. Constate pas d'objet. C'est 3 fois qu'on aurait pu avoir des dingueries. Hein. Avec Duality, si tu prends un David Deal, t'as plus d'Angel. Si, si, mais... Bah, quand j'ai un David Deal ou un Angel Room qui proc, je vais aller plutôt en Angel Room, en fait. Pour pas avoir à payer quoi que ce soit. Et pour profiter d'items qui fonctionnent bien avec Keeper aussi, mais là, ça veut pas tomber. Un peu relou. Pas legit l'esquive. Pour une fois qu'on a les mêmes runs. Ah bah là, on a vraiment la même en plus. Hein. C'est validé qu'on a la même run. Hein. Ça, en vrai, c'est bien. Oh là là, mais tout ce pognon, là. Tu peux reroll, s'il te plaît? Mais... Le Mom's Bracelet. Le Potato Peeler des batteries. Putain, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, c'est terrible. BFF. Bien, ça. Bomb's Box, est-ce qu'on en a besoin? Je pense pas. Il faut qu'on garde le pognon, en fait. Hein, le truc qui peut nous soigner. Ah, la Golden Card, bien. Bien, 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 ça. Je vais remettre une bombe, là. Pas mal, c'est français. La Red Candle. Fou, la Red Candle, hein. Alors ça, par contre, j'en veux pas du tout. C'est un peu dommage. Bleu, la bougie. On n'a pas la même game. Non, bah non. On a vraiment pas la même run. Hein. C'est terrible. Waouh la vache, mais c'est quoi cette run de merde? J'ai dit Red Candle sur la Blue Candle. Terrible. AVC, je suis en pleine AVC en fait. Je suis en train de canner là. Je le savais pas encore, mais c'est fini. Désolé si j'ai dit la Red Candle, je m'excuse. Hein. Je suis vraiment sorry. Pour toutes les personnes qui se sentent offusquées là. J'ai rien vu. Oh là là, j'ai pas le build pour ce genre d'ennemi. Terrible. Heureusement que ça va plutôt chercher le pote là-haut, là. Mon petit ami. Qui se fait casser la gueule à ma place, là. Bon, les pilules, c'est même pas la peine, hein. Des effets à long terme de la codéine. Merci The Lova Lova pour les 7 mois de Prime, des bisous. Qu'est-ce que c'est que cette run du plan cul absolu, là? J'ai loupé qui? J'avais loupé Titix, je crois, pour les 8 mois de Prime. Metroid, 2 mois, je crois que je l'avais. Non, mais j'ai loupé plein de gens, en fait. C'est terrible. Ben Bascu, j'avais dit. Gifka, des bisous à Dorby qui met dans ton attaque. Merci pour les 4 mois de Prime. Et Ohando pour les 1 an. Les 1 an, pile poil pour l'anniversaire. Quel plaisir quand tu es comme ça, t'as ce ton comme Jaja en 1 an. Des bisous. Une mort en délit, tu as comptabilisé. Oui. Bien sûr. Ok, bah en fait, il faut espérer que le prochain shop soit un peu meilleur. Ce serait cool d'avoir une golden card, donc un shop supplémentaire avec machine de reroll, vu que j'ai potentiellement beaucoup de pognon à claquer là. Ça pourrait être sympa. Théodule ne peut pas mourir, non. C'est juste que dans une salle, les ennemis vont s'intéresser à Théodule pendant un temps, puis après ils vont s'intéresser à toi, normalement. Donc ouais, c'est comme s'il avait une barre d'HP fictive dans chaque salle, en fait. Le jus de Jésus. Ok. En vrai, on pourrait aller en Curse Room à partir de maintenant. Il n'y a rien qui m'empêche vraiment de le faire. Donc allons-y. Le truc qui est chiant, c'est que j'ai pas laissé de pièces dans l'étage. S'il en reste, ok.
Théodule le bro, le sacrifie pas cette fois-ci. Ah bah si je vois une boîte, il part, hein. Y a pas de souci, hein. S'il y a une boîte pour le virer, vous inquiétez pas qu'il dégage, hein. The High Priestess inversé, The Devil inversé. Ouais. Terrible. 72%, c'est 0% apparemment. Ah, c'est terrible ça aussi. Terrible. Au moins j'ai du pognon, on va espérer que le prochain shop soit cool. BFF a mis assez bien, on pourrait avoir un familier cool. Hein. Si on chope, genre par exemple le familier des, qui tire des Sacred Heart, là, ça nous met très très bien. 26 minutes de Daily Run déjà, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah bah oui, on joue une Daily Run qui est pas ouf. Allez, bougeons-nous le cul. Salut Sulfo Chromix. Merci Mikambo pour les 10 mois de Prime, pourvu que ça dure. Et Sorage pour les 4 mois. What, comment ça le Prime est dispo? J'ai pas fait attention, go claquer. Merci. Des bisous. Qu'est-ce que c'est que ça? Agalaz. Il y avait une salle avec beaucoup de cailloux, je me suis dit allez. Encore une salle de sacrifice. Par pitié le jeu. S'il te plaît, un objet de Godroom. N'importe lequel. Bon, pas vraiment n'importe lequel. Mais s'il te plaît quelque chose. Alors c'est vrai que je peux aussi totalement tricher et genre recharger à balle mon Wooden Nickel dans les salles. Merci Cariana, 8 mois. Un prime par mois pour le meilleur antidépresseur d'internet, c'est pas cher payé, continue comme ça parce que oui, tu le mérites. 100% mérite, bien sûr. Je suis 100% mérite. J'ai oublié d'utiliser mon pénis. Merci Daisio pour le prime, des bisous. Merci. Regardez, je peux totalement tricher. Bon, il va mourir. Le problème, c'est que ça va mourir des araignées. La strat plein sata. Mais ça marche pas, le Wooden Nickel. Mais il marche plus. Ça fait 3 fois qu'il marche pas. Terrible. Oh, Théodule qui aggro tout le monde. Hein. Calmez-vous. Qu'est-ce qu'il vous a fait, le petio, là hein. C'est gros goût, un peu, en vrai. Hein. Théodule, c'est un peu gros goût, hein. Il est petit, il est mignon, voilà. Palmarès. Du pognon, s'il te plaît. Plus. Plus d'argent, plus. Je veux plus d'argent. Pas assez d'argent, là. Bien, ça. Lui, on peut le buter, on s'en fout. Quoique après, j'aurais dû attendre de voir s'il n'y a pas une algise ou un truc comme ça. On va peut-être nourrir le mendiant, vu qu'on est à 100% de chance à cet étage-là. RP Bezos. Mais les pubs, alors. Ouais, j'arrive. Je vous mets 30 minutes de pub après cette run, je pense. Je sais pas si on peut mettre 30 minutes de pub d'affilée, mais ce serait vraiment bien. Pourquoi il se chargeait mon Wooden Nickel, là? 2. 3. You feel blessed. 4. Ah, parce qu'il avait commencé à charger dans une salle? Je sais pas, c'est bizarre. Il a mis 4 coups oui, 5 coups non. 5 coups oui, 6 coups non. Hop. Oh mon dieu, je vais le tester ou pas? Est-ce que je le teste? Oh, c'est fou! La tentation est si grande! La tentation est si grande, mais ça va être si nul! On va tellement repartir avec The B, quoi! Oh là, pas d'objet de Godroom en plus! Oh, je vais repartir avec rien! Ça va être le cauchemar! Oh, je vais repartir avec mon cul! Oh là là! Après le shop, ouais. Tu vas abandonner Théodule? Ah bah là, oui, bah oui. Je vous ai dit, Théodule, si j'ai un moyen, il dégage. Il repart, allez hop, dans l'espace. Je l'avais dit. Théodule, à la moindre frame, il dégage. La piggy bank. Ah, bref. La science, toujours. L'île Delirious, oh là là. Non mais en vrai, je vais tout prendre. Je prends tout. Je
prends même l'île Delirium de merde. Juste pour pouvoir utiliser Genesis et faire des dingueries, quoi. Tout ce qu'on veut, c'est la dingue. On est là pour la dingue. La absolute madness. Polydactyly, tu vois, c'est de la merde. Hop, je prends. Oh, l'île Delirious en BFF, quoi. Adieu le Wooden Nickel. Ah bah oui, oui, bien sûr, même. Ça fait quoi, Genesis? Ah, vous allez voir. Ça fait de la bonne musique. Enfin, sauf pour Mizufani, quoi. Ça me gêne. Ça me trigger. Ça me trigger de ouf, les barres de vie. Ça prend tellement de place à l'écran. Ça change tout. Quote, c'est de la merde, unquote, concernant Genesis, quoi. De la part de Mizufani. The Fool. Bah là, le problème qu'on a aussi, c'est que ça va me reroll mon négatif ou pas, si je prends des dégâts. Mais surtout qu'il va pas me donner le négatif, on va voir Isaac. Bon, on verra. Tu as abandonné Dantario. Hein? Ah, j'ai pas la ref, hein. Dantario. C'est un truc de Weebs. Qu'est-ce que c'est, Dantario? J'ai pas la ref, moi je suis un vieux crouton de Twitch. Je suis les vieux dans le Muppet Show, là. C'est moi, ça. Je serais exactement comme ça. Enfin, je le suis déjà, en fait. Ah, il y a encore une Godroom! Ah bah oui, mais c'est la même. Du coup, là, ce qu'on pourrait faire, c'est esquiver Womb 1. Pour esquiver un étage. Et du coup, arriver directement à Womb 2. Pour ce faire, on irait au prochain étage, puis on utiliserait Genesis. Mais je suis joueur, du coup, j'utilise Genesis maintenant. Qu'est-ce qu'on préfère entre le Martifouette ou pas Martifouette, BFF, Hivemind ou le Boom? Vas-y, je reprends BFF. Ça, évidemment. Ça, évidemment. Ça. Oh, les objets. Oh, les objets de merde! Oh là là! Ok. Oh là là! Oh, c'est nul! Ah, mais je récupère un Wooden Nickel, par contre. Ah bah super! Non mais vraiment trop bien, quoi! J'avais le vol, j'avais tout! Bon, ça va, en vrai. Bon, en vrai, ça va. Mais pas ouf, quoi. Les objets de Godroom qu'on m'a proposés, ils étaient pas dingues, hein. Ça sert à rien d'aller dans le lit, vu qu'on n'est pas en... On n'est pas du tout en run normal, donc ça comptera pas comme un lit. Seringue de pisse, et t'avais spun. Ouais, mais la seringue de pisse, il y a m'enlever un HP up. Après, je pouvais retrouver un HP up derrière dans les objets, mais... Bon, ça va qu'on a Proptosis et 10 000 de tir rate, quand même. Bon, le build est fumé. Le build est complètement fumé, j'ai fait que pleurer dans la chambre, alors que le build est incroyable. Le build a aucun sens. J'ai fait que chialer dans la chambre, là. C'était quoi? C'est nul. Ça râle pour rien, absolument rien. Ah mais j'ai plus Libra, j'ai plus Duality. Ah j'ai plus Duality. Stop le dodo petit Prime, merci trop pour les 3 mois Bruc. El Famoso pour les 5 mois. Ah Dantario 5 mois, je profite de mon 5e mois d'abo pour te poser une petite question si tu veux bien. Quel jeu attends-tu le plus dans les 3 prochains mois? Des bisous. Je pense que c'est Elden Ring. Dantario du coup c'était un sub, pardon. C'est quoi la ref? C'est un truc de Weeb. Abonnez-vous les Weeb. Désolé Dantario, je suis désolé d'être en retard sur le sub. Hein. Mais on finit toujours par les lire. Pouette. Non, j'ai tilté, mais j'étais occupé avec mon Genesis. Le jeu que j'attends le plus, c'est Elden Ring. Je pense, hein. Je sais pas ce qu'il y a d'autre qui sort dans les 3 mois, là.
Bon, peut-être s'ils sont, bien sûr. Ta 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 ta. Oh, dommage, j'ai plus de balèze parce que j'ai pas opti. Merci Sanchez pour les 7 mois. Des gros bisous. C'est pas demain qu'il sort Silksong. Ah bah selon Nvidia GeForce Experience, il devrait déjà être sorti même, non? Ta 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 ta. Il devrait déjà être là, hein. Oui, oui, j'y crois. Les dates placeholder, Nvidia, ils ont pas l'habitude. Oui, oui, vous inquiétez pas, le 2 février, j'y crois. Oui, oui, vous êtes des doubters. Oui, oui. Ta-ta-ta-ta. Il est là, j'y joue. Bah, il est là. Bah, Shishayu, qu'est-ce que t'as fait? T'as dormi aujourd'hui et je joue à Silksong là. Info sûre, hein. Ta 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 ta. La date qui avait leak, c'était le 14 février. Ah non, de mémoire, c'était le 2, hein. Le 2 ou le 3, hein. Au tout début du mois, je crois. De mémoire, c'était vraiment le début du mois. Ta 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 ta. Bon, imperdable, la Daily Run, là. Elle était imperdable, cette Daily Run. Ta 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 ta. Bon, évidemment, en termes de time, on est 601ème parce qu'il y a tous ceux qui ont déjà fait la Daily Run hier qu'on refait aujourd'hui en plus vite. Ta 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 ta. Mais on est quand même 264ème au score, ce qui est à chier. Ta 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 ta. Et là, ça sort vraiment le 14 février. Et c'est fou. Parce que Nvidia l'avait dit. Même le subreddit Hollow Knight Memes arrive à court de même. Hein. Bah, c'est-à-dire que Elden Ring, il y a eu quoi? Il y a bien eu 1 an et demi, 2 ans de panne sèche où il se passait rien, on est d'accord? Où il n'y avait pas eu un trailer, que dalle, pas une nouvelle, à chaque fois qu'il y avait un événement, on s'attendait à ce qu'il soit là, il n'était pas là. Ça a duré quoi? 1 an et demi, 2 ans max, je crois, sans nouvelle d'Elden Ring. Silksong? Non, c'est faux, ça fait pas 3 ans du coup. Bah, il y a eu un trailer il y a 3 ans, bientôt 4, je pense. Mais il y avait eu un article dans Edge, donc en fait, non. Donc en fait, non, en fait, ça fait pas si longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles de Silksong. Parce qu'il y a 1 an, il y avait eu un article dans Edge où il y a vraiment que ça, mais il y avait eu quelque chose quand même. Merci Meg pour les 2 mois. 2 mois de pure brasse. Encore 13 pour rembourser les 15 subs. Merci pour ça, des bisous. Des bisous. Merci beaucoup. T'es allé sur le forum Steam de Silksong aujourd'hui, c'était atroce, les gens sont horribles. Ah non, mais bien sûr. Non, mais tu peux. Et tu peux être sûr que le forum Steam, c'est ok. Imagine plutôt genre la boîte mail des devs. Tintin. L'article n'a rajouté aucune info du trailer plus démo, non? Si, si. Mm-mm. Bon, pas grand-chose, mais si. Mm-mm. En plus, mi-février, c'est vraiment la date parfaite du Nintendo Direct. Donc, ouais, en fait, non, en fait, c'est confirmé. Vous avez raison. Info sûre, mi-février, Nintendo Direct. Et Shadow Drop dans la journée. On pourrait mettre tous vos points de chaîne dessus. C'est sûr et certain. Tintin. Info sûre. Non mais info vérifiée en fait. Hein. Info totalement vérifiée. Vraie info. J'ai bien envie de faire une run Tainted Eve là. On a fait quoi avec Tainted Eve? On n'a pas fait Hush, c'est un scandale. On n'a pas fait Delirium. Pourquoi elle a fait The Beast? Ah oui, parce que ça a débloqué ses sections genre. Merci Quebière pour les 30 mois. Bon, vas-y, j'ai envie de faire une run Tainted Lilith. M'en voulez pas, hein. M'en voulez pas pour les... Là, là. Tainted Lilith. Elle a changé, Eve. J'ai dit quoi? Je dis Tainted Eve. Non, vous voyez bien que je vais pas bien. Tainted Red Candle, on va jouer, là. Est-ce que je suis hype pour le nouveau Kirby? Bah, pas des masses, mais ça peut être rigolo à jouer, oui. Il se passe quoi avec la Broken Hank? Tu réapparais en petit fumant? Si tu joues un personnage Tainted? Tintin. Kirby peinture et plus. Non mais le dernier Kirby, ça a l'air rigolo quoi. Ça a l'air rigolo sans plus. Yoshi, je me disais, tu feras Silksong en playthrough?
Sachant qu'il y a pas mal de gens qui voudront pas être spoil et qui vont y jouer, tu vas faire quoi? Comment ça? Ah, tu veux dire, genre, comme il y a des gens qui vont le... J'en sais rien, enfin, je veux dire, je vais y jouer, quoi. Enfin, si vous voulez le faire de votre côté et pas vous faire spoil, moi, je le comprends bien. Hein. Ça m'a pas empêché de faire Outer Wilds DLC, ce genre de choses. Hein. Non, faut jouer, oui, bien sûr. Bah, évidemment que je vais pas vous mettre un pistolet sur la tempe et vous dire hey, « viens voir mon playthrough, là! Qu'est-ce que tu fais, là? À quoi ça sert que je le stream si tu viens pas? Comment ça, tu veux pas te faire spoil? Je veux pas te spoil, je vais juste faire le jeu. » Non, normal. Hein. Faites le jeu de votre côté. Je vais faire les 10 premières minutes en boucle pour pas trop vous spoiler. Non mais oui, non mais je comprends la question, genre est-ce que ce serait pas plus pertinent de le faire hors ligne, mais non, non. On va prendre ça. Hein. Je sais pas où on va par contre. On n'a pas fait Hush, ce qui est un peu un scandale, j'aimerais bien m'en débarrasser. Depuis quand on n'est pas otage? Non mais vous êtes otage avec des crêpes, pas avec des pistolets. Ça sent le... Je sais pas pourquoi ça sent le Sacred Heart, là. Il y a une odeur de Sacred Heart dans la run, là. Hop! L'avantage, c'est quand on stream un jeu Day One, il n'y a pas de backseat. Oh, wait. Oh, oui. Oh, wait, hein. Clairement, oh, wait. Le fameux no backseat Day One... Petit Curse of the Blind. Bon, bah, on va dodge l'item room maintenant. Hein. Pas de backseat day one. Justement, je pense que day one, c'est là où il y a le plus de backseat. Et le plus de gens qui disent, bah, c'est pas du backseat, j'ai pas le jeu. Bah, c'est pas du backseat, j'ai même pas joué au jeu. Je le possède même pas. Ça peut pas être du backseat. Je donne juste un conseil. Je comprends pas. Non, justement, Day One, c'est là qu'il y en a le plus comme ça. Ça va, y'a qu'à pas poser la question aussi. Après, Day One, justement, c'est là que beaucoup de gens, du coup, découvrent le backseat. S'ils n'ont pas la bonne définition en tête. Je me demande si j'ai déjà backseat, moi. Sûrement. Mais genre, est-ce que à l'époque où j'étais, genre je streamais pas, tu vois, où j'étais vraiment un rookie, un newbie, un newcomer sur Twitch, est-ce que j'étais du genre à backseat ou pas? Je sais pas. Peut-être. Je me rappelle plus trop. Hein. On a tous déjà backseat. Non mais ça, bien sûr. J'ai déjà backseat dans la vraie vie, j'ai déjà backseat, bien sûr. Mais je me demande si genre au tout début sur Twitch, j'avais tendance à backseat, ou si justement le chat, je le voyais déjà comme un espace de conneries absolue. Pour raconter de la merde. Je sais plus. Je sais plutôt ma méta, ça. Quand je parle dans un chat, généralement c'est pour dire de la merde. Ou alors juste pour dire bonjour, quoi, mais... C'est pas la même chose. Ah, le backseat, c'est dire de la merde, mais... Ah, elle est bien, elle est bien. Ok. Elle est bien, Tahiti de Lilith, là. Magic Scab, hein. Et hop. Le chat pour raconter de la merde, comment ça? Oui, toi, ça t'est jamais arrivé, SPP, hein. Merci, Limonade, pour les 22 mois, des gros bisous. Et merci, Secbot. Un an. Voilà le problème, juste pour plus avoir le bébé secoué, là. Comment? Hein? Quoi? Quel bébé secoué? Alors, j'ai pas les refs. Hein. J'ai pas les refs du tout. C'est encore un truc de weeb? Ah! C'est encore un truc de weebs? C'est quoi là? J'ai pas la ref. C'est une pub de prévention. Ah! Ah oui, oui, j'avoue, abonnez-vous pour pas avoir de pub, hein, bien sûr. Moi, j'ai plus aucune pub sur Twitch. Je suis abonné à toutes les chaînes que je regarde.
Je suis abonné à toutes les chaînes de Twitch. J'ai claqué mon sub partout. Spoiler, ça vaut le coup. Non mais les pubs là, c'est vrai qu'il y en a vraiment beaucoup. Après là, ça va se calmer parce qu'on n'est plus aux alentours des fêtes. Donc normalement, normalement devrait y en avoir moins pour ceux qui rejoignent un live. Parce que moi j'en passe pas des pubs. Du coup quand vous rejoignez le live et que vous êtes pas abonné, vous avez une pub. Ça c'est Twitch, c'est... on peut pas l'enlever ça. Ou si je l'enlève, il faut que je passe des pubs toutes les 30 minutes. Du coup je pense que ça va un peu se calmer les pré-rolls parce qu'on n'est plus aux alentours des fêtes. Mais je peux vous garantir qu'autour des fêtes, il y a dû en avoir des pré-rolls parce que je suis allé voir ce que j'ai touché des pubs grâce à Twitch là, vers novembre-décembre. Et c'est indécent. Hein. J'ai rien fait, hein, j'en ai pas passé. Il y a juste les gens qui sont venus sur la chaîne et qui sont pas abonnés ont vu une pub, ou ceux qui regardent les VOD aussi. C'est juste indécent. C'est totalement indécent, genre ça... Moi qui aime pas les pubs, du coup je suis en mode, ah ouais, tout cet argent pour un truc, ok. Tintin. Les pubs payent plus à cette période. Oui, mais de fait, les pubs payent plus, mais moi j'ai toujours remarqué que t'en voyais plus aussi. Quand je regarde YouTube dans l'année, j'ai toujours l'impression d'avoir beaucoup plus de pubs vers novembre-décembre que vers, je sais pas, avril, tu vois. Après, moi, sur Twitch, je sais, j'ai plus de pubs parce que j'ai Turbo, donc... pour le coup, je sais plus. Mais c'est validé que les annonceurs payent plus vers novembre-décembre que le reste de l'année. Je sais bien que vous m'en voudriez pas si je mettais des pubs, hein. Mais moi j'ai pas envie. Enfin, je sais bien, ça dépend des gens, mais je sais que sur Twitch, Twitch fonctionne alors que les gens passent des pubs. Hein. Donc je sais bien que là, tu peux tenir ta chaîne Twitch en mettant des pubs, en faisant des pauses et tout. Ça, je le sais. Hein. Mais j'en ai pas envie. Déjà des pubs pour la Saint-Valentin. Quoi ? Les pubs pour la Saint-Valentin. C'est-à-dire, c'est quoi les... Oh, le piment. Oh, le piment. Des textes to speech à 100 bits. Quoi ? Pas la ref. Est-ce que je prends ça ? Est-ce que je prends la Pandora's Box ? Bon, la Pandora's Box, je l'ai déjà emmenée à Sheol. Du coup, il n'y en a plus besoin. Il n'y a plus besoin de ce succès-là. Bon, on va pouvoir l'utiliser au prochain étage pour deux cœurs bleus, un objet de boss. Ah ! Oh, bordel ! Ah, mais attendez, mais j'ai eu BFF, moi. J'ai pas tilt que j'ai BFF avec, avec ce perso. C'est double damage, c'est incroyable. Je sais pas si je fais mieux de taper au corps à corps ou si je fais mieux de taper avec mes larmes, mais je pense qu'à terme il faudra taper avec les larmes. Il y a un succès Pandora's Box à Sheol, ouais. Faut que tu utilises la Pandora's Box, pas à Sheol, à Darkroom, pardon, à chaque fois je dis... chaque fois je dis le mauvais. Sorry. Chaque fois je me trompe. Je viens d'acheter le jeu, les Daily Runs fait partie des succès. Oui, mais il y en a que 3 des succès Daily Runs, ça va. C'est ok. T'as mon tir rate là ? Ouais, en fait, faut que je joue parce qu'on rappelle que je vise automatiquement les ennemis. Les larmes damage plus que les coups de corde à linge. En l'état, là, je fais plus mal avec mes larmes, vous pensez ? Mais en fait, avec la corde à linge, je peux spam quand même. Oui, c'est ça. Je sais que BFF n'applique pas de bonus de dégâts au coup de masse, là, au coup de corde à linge. Mais bon, je crois que je fais encore... Enfin, tant que j'ai pas de damage up, là, je pense que je fais encore plus de dégâts avec le coup de corde à linge que le reste. La Coned. Je crois que j'ai déjà pris anémique. On a de la défense, on a du dégât. Bon, c'est Tainted Lilith, quoi. C'est pas le personnage le plus ambiançant, mais... Je
Si j'up la luck. Ah bah si j'arrive à avoir un A+, là oui, ça va commencer à dépoter un peu. On va envoyer des flammes bleues partout, ça va être dingue. Pour les daily runs, c'est simple, c'est il faut gagner 5 daily runs d'affilée. Donc 5 participations d'affilée, vous gagnez la daily run. Vous n'êtes pas obligé de le faire 5 jours d'affilée, mais à chaque fois que vous participez, il faut gagner pendant 5 daily runs. Il faut gagner 7 daily runs, peu importe à l'affilée ou pas. Et il faut participer à 31. Mais participer à 31, vous pouvez juste lancer la daily run et pas la finir, quoi. Simplement, si vous la lancez et que vous vous suicidez, c'est bon, quoi. Ouais, le truc, c'est que les daily runs, je les fais en entier parce que, bah... No reset. Donc si je lance une run, je dois la finir. Et là, on est déjà à 24 daily runs. En vrai, ça se fait bien. Je m'abonne pour skip les pubs Monster Hunter, mais ça marche pas. Tu vends toujours ton cul. Au moins, il y a Isaac. Quoi ? Comment ça, je vends toujours mon cul ? C'est quoi, cette histoire ? Merci HugGM pour les 2 mois de Prime, le Prime de retour, et Robrenz pour les 4 mois de Prime. Comment ça, les pubs Monster Hunter, hein? C'est quoi là-bas? C'est quoi la brasse, là? Il va falloir m'expliquer, là. C'est quoi cette diffamation, là? Vendre mon cul. Je fais des pubs HelloFresh, ouais, je fais des pubs crêpes, des pubs Savary, je fais des pubs pour tout, quoi. Je fais de la pub pour Pokémon Arceus. Terrible. Je fais de la pub pour les Eddie Box. Tout ce qui est possible de prendre, je prends. Hein. Révélation. Alors, est-ce que Révélation, c'est bien avec Tainted Lilith? J'ai tendance à dire que le familier est bien aussi, mais bon, Révélation, quoi. La pub pour l'eau du bain d'Edmoon. Je pense que c'est pas trop mal, Révélation, parce que comme mon familier vise automatiquement les ennemis, je peux charger mon Révélation, et pendant que je charge mon Révélation, l'ennemi fait du dégât. Enfin, mon petit pote fait du dégât. Donc non, ça a l'air vraiment bien. Je suis content d'avoir pris ça. C'est ça, on se retrouve bientôt en OP sur Red Shadow. Ainsi que Genshin. Ta-tun. Merci Merlin pour les 6 mois, déjà 6 mois de bonheur, et 8 gigs 500 bits. J'aimerais dire que la tarte au citron meringuée, son god tier pâtisserie. Tarte citron meringuée, c'est un de mes desserts préférés. Ouais. C'est vraiment trop bon. T'as pas honte de vendre ton cul pour la tarte citron meringuée, Shishayu ? Sauf que Genshin, c'est bien au moins. Non. Ouais, dommage. C'est non. Est-ce qu'on va vers... ouais, on va vers Hush, je pense. Sûrement Hush Delirium. La secret à côté de la challenge, ça se tentait, ouais, je pense. Mais j'ai pas beaucoup de bombes, donc... Bien essayé, mais c'est non. If Gacha, Zen, c'est de la merde. Bah, logique est implacable là-dessus. If Gacha, Zen, à chier. Regardez WarioWare. Il y a du gacha dedans, bah... Voilà. Vous connaissez le jeu, hein. Avis sur la tarte aux fraises. Hein. Arrêtez, j'ai pas mangé ce soir. Il y a rien de plus dégueulasse que cette crème sucrée saveur pec citron sur une pâte sablée. Oh merde. Ah ouais, il y en a qui ont vraiment la haine. La haine de la tarte citron meringuée, c'est terrible. Hein. Le pec citron, quoi. En vrai, si ta tarte citron meringuée, la goût de pec citron, c'est grave un peu, hein. Par contre, c'est validé que la Desperados, la bière, quand on boit trop, ça a goût de pec citron. Je vous jure, un jour, faites la vaisselle avec du pec citron et retournez le verre. Vous savez, le verre, il va rester du pec citron dedans et il va pas sécher, vous, il va sécher avec du pec. Et quand vous allez vous resservir de l'eau, ça va avoir goût de pec citron. Bah, ça et le goût de la Desperados, c'est pareil, en fait. C'est exactement pareil. Oh merde, une Erki. Je pouvais pas avoir une Erki. C'est pas une bière déjà. Est-ce que j'ai dit que c'était une bière? Ah. Ah! Ah bah! Piégé! Je l'ai dit. Quoi? Non. Si, si, tu l'as dit. Bon, c'est une boisson. C'est un cocktail de bière. Excusez-moi. Excusez-moi. Replay, oui.
J'ai un cocktail de bière, c'est comme la Smirnoff et l'autre truc là. On t'excuse mais fais attention. La Skol, ouais, la Skol. Pas la Smirnoff. Quoi que si Smirnoff ils font des boissons comme ça je crois. Enfin si c'est ça, je sais plus. Des boissons pour Jones. La Smirnoff Ice. Clooned. Hein. Fais bien attention chez Chayou, si tu te dis que c'est de la bière, on va te retrouver. Hein. Moi je ne bois que des quadruples. Le glaucome, on l'a déjà pris, hein. C'est bon, on peut arrêter de prendre cette merde. Hein. Des quintuples. Je suis authentique, je m'explose à la 8-6. Je me rappelle pas du goût de la 8-6. La seule fois où j'ai bu une 8-6, j'avais 17 ans, c'était derrière une église. J'ai blasphémé un peu quand même. Le cliché. Ouais, bah, j'y peux rien. Déjà, tu t'en rappelles. Ah ouais, je m'en rappelle. Hein. Je me rappelle bien de ces sorties à 16, 17, 18 ans où on allait au bois avec des binous et tout. La jeunesse, la pente du crime. Je me rappelle de la pente du crime. Je me rappelle qu'on s'était fait arrêter derrière les tribunes d'un stade de foot et tout d'un coup, on était beaucoup moins la pente du crime, quoi. Le petit chien sur la pente fatale, je répète. Un vrai criminel, quoi. Je veux huche, mais je sais pas si ça va bien se passer le huche là. Merci Black Doudou pour 46 mois de prime, des bisous. La daily était comment? Un peu difficile jusqu'à ce qu'on trouve Genesis. Il faut avouer que c'était une runkeeper un peu lente quoi. Temps de tir rate. Oh, ça fait plaisir en vrai, on commence à mettre des bons bails là. Les flics vous ont pris votre bière? Non, l'alcool était caché. Mais c'est juste qu'on n'avait pas nos papiers d'identité. On n'avait pas de papier d'identité sur nous et on n'avait pas d'argent sur nous. Donc ils nous ont dit qu'on était considérés comme des vagabonds. Et ils nous ont dit que cette fois-là, ils nous emmèneraient pas au poste. Délit de vagabondage, c'est ça. On a appris le délit de vagabondage, quoi. Pas de papier d'identité, pas d'argent. Après, moi, pendant longtemps, encore après, ça m'arrivait de sortir juste avec ma CB et pas de carte d'identité, hein. Ah! Après ça va, il reste 30 minutes, on a le temps de le faire, hein, le boss rush. Enfin le boss rush on va pas le faire, mais on a le temps de faire hush quoi. Ah c'était des vrais cow-boys qui sont venus nous chercher. Hein. Les cow-boys. Hein. Les cow-boyheads on s'est fait. Maintenant par réflexe j'ai mon passeport sur moi parce que... on sait jamais si je sors, que j'ai besoin d'aller chercher un colis ou quoi, J'ai pas à chercher mes papiers chez moi. Ils sont toujours plus ou moins dans mon pantalon en cours, quoi, mon pantalon du jour. Mais j'avoue que pendant longtemps, quand j'allais en cours, j'y allais sans mes papiers d'identité, je m'en foutais. Hein. Je les emmenais pour les concours, quoi, puis voilà. Hein. J'ai pas de carte d'identité, moi. D'ailleurs, c'est un peu con, parce que si j'avais une carte d'identité, ça se renouvellerait à... Enfin, ça dure plus longtemps. J'ai que mon passeport là, mais mon passeport il va bientôt se finir. Peut-être que cette fois je ferai une carte d'identité, ça dure plus longtemps. Vrai gamer, pantalon de la semaine. Vrai normand, pantalon du mois. Hein. Un vrai normand, il a son pantalon du mois, de la saison, pantalon de saison. Hein. Le pantalon d'hiver, le pantalon d'été, le short. Et voilà. Hein.
Icariam, merci pour les 3 mois, des gros bisous. J'ai loupé Agni Art, 2 mois. Merci pour le spectacle Zero to Dead God, que du plaisir. Merci beaucoup, merci à toi. Evil Normand avoir un dressing. Evil Normand, be like, changer de chaussure, quoi. Ça fait 2, ça ? Oh, la run est bonne, hein. Le beat est bon. Hein. Tant qu'on a le A+, là, c'est un peu fou. Hein. Il nous faudrait le Holy Mantle. Hein. Si on avait Holy Mantle par-dessus le marché, là, ce serait fini, quoi. Connu pour être radin, les Normands. Je sais pas. Les stéréotypes de France, j'en connais, mais... celui-là, je sais pas. Non, le stéréotype normand, c'est plutôt qu'on sait pas se décider. C'est peut-être ben oui, peut-être maintenant. C'est plutôt ça, quoi. Les Auvergnats. Ah oui. Le stéréotype des Basques, c'est quoi ? Bon, on va pas le dire, après on va se fâcher, donc... C'est pour se fâcher, c'est pas la peine, hein. Tot, 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 tot. Ah. C'était pas bien Tiny Planet, bof. J'aime pas ces conneries de stéréotypes de France. Parce qu'il y en a la moitié, c'est être piccolo déjà. Donc ça picole dans toute la France. Donc quand tu dis, ah oh, là-bas, ça picole, t'es en mode, bah oui, super. Hein. Tu traverses la Manche, ça picole aussi en fait. Hein. Ah. Famille d'Auvergnat, crois-moi, niveau radinerie, on est EX. Ouais, mais qu'est-ce qu'il chantait, Georges Brassens ? Il disait l'Auvergnat, il lui a filé du pain, hein, donc non, c'est pas vérifiable. Hein. T'as une famille d'Auvergnat radin, mais... Georges Brassens, il disait l'Auvergnat, il lui a filé du pain, hein. Bah justement, bah quoi, non. Oh, la tête de Krampus, c'est non. Merci El Coton pour les 1 an de Prime. 12 mois, la première boucle est bouclée. Elonasa, 4 mois de Prime, ne nous fâchons pas. 5 pour les 6 mois. Et Gendil pour les 4 mois, des gros bisous. Il faisait une OP pour l'office de tourisme. Petite OP ville. Ça, c'est le next step des streamers. Petite OP pour la ville du streamer. Ouais, venez vivre dans ma ville, trop bien. Je me fais mordre par des chiens et tout. C'est ultra stylé. Est-ce que vous allez me voir sur Lost Ark ou pas du tout ? Malheureusement, oui. On peut dire malheureusement oui. Malheureusement oui, vous allez me voir sur Lost Ark. Est-ce qu'on peut avoir du conjoint Ned ? Je suis pas sûr que l'île Loki compte pour conjoint Ned. Merci Cheplu pour le sub offert à Zershan. Des gros bisous. T'as BFF. Bah ça sert à rien avec lui BFF. Hein. Pour lui il faut Hive Mind. La Blue Map. Eraser. L'île Loki compte pas, terrible. Et du coup, le familier de base ne compte pas non plus, j'imagine. Soul of Isaac. Propre, 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 propre. Oh, pas Blood Puppy, Blood Puppy BFF. Envie de péter un plomb. La Flatstone, ok. Je suis pas sûr qu'on l'avait. Ah, si, on l'avait déjà touché la Flatstone. Dun 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 dun.
Je suis en train de perdre mon petit chili là. Rip Buddy in a Box. Putain, j'avoue que j'ai pas pris Buddy in a Box alors que j'avais BFF. J'aurais tellement dû le prendre. Pour viser un petit conjoint Ned quoi. J'ai pas vu de deuxième God Room, donc en fait on va gentiment aller voir Delirium je pense. Hein. Tant pis pour la Soul of Lilith et tout, hein, on va... On aura plus que la Soul of Isaac, on en aura d'autres maintenant. Putain, cet après-midi j'ai refait un peu de Horizon, j'ai cru que j'allais péter un plomb. J'ai fini les zones de chasse dans Horizon. Et il y a une zone de chasse, si ça parle à des gens, où il faut genre enlever... Il faut enlever des lance-disques sur un putain de gros machin pour aller taper deux autres machines avec le gros machin qu'il a lâché par terre. C'est insupportable. C'était insupportable à faire. Surtout que je joue en difficulté, donc genre c'est... Les ennemis ont trop de vie. Je crois que c'est très très simple si tu vas chercher le piratage et que tu pirates le bordel au lieu de lui voler son arme. Mais j'ai pas encore le full piratage, il me manque un creuset. En moins de 2 minutes, c'est ça. Donc finalement, ma strat, ça a été de récupérer l'arme, aller me planquer, tuer un ravageur, utiliser le canon du ravageur pour affaiblir l'autre ravageur et le finir au lance-disque avec la seule balle qui restait dans le chargeur. Mais c'est dans ce genre de moment que tu te dis que le gameplay a des gros problèmes, quoi. Genre vraiment, les esquives dans ce jeu, elles ont aucun sens, hein. Il y a plein de façons de chasser les mobs et c'est trop cool. Mais dès que tu commences à être entouré de plein de mobs, c'est insupportable. Le jeu est tellement pas pensé pour ça. En fait, dès que tu joues pas Horizon de la façon dont Horizon veut que tu joues, le jeu est insupportable en fait. Et j'espère que dans le 2 ce sera corrigé. Parce que c'est là que le bas blesse face au jeu qui était sorti juste après, qui est Breath of the Wild. Lui, le gameplay est cool. J'ai plein de choses à redire sur Breath of the Wild, mais le gameplay est cool. Et surtout, tu peux faire les choses de plein de façons. Là, dans Horizon, si tu joues pas comme le jeu veut que tu joues... Oh là là, mais quel chienlit, quoi. Et là, t'as trois trucs autour de toi, tu ralentis le temps, mais c'est pas suffisant parce que les bestioles, elles se battent quand même trop vite. Tu veux faire une roulade, les mobs, de toute façon, quand ils font un pattern, ils balayent la moitié de la map et y a pas d'e-frame. Du coup, bah, tu te fais ramasser la gueule. Non, c'est chaud, hein. J'espère que le 2 sera un peu plus dynamique et un peu moins scripté dans ses mouvements et ses actions. Mais sinon je passe un moment agréable quoi, ça va. Hein. Je veux le faire avant la sortie du 2 quoi. Merci Yuri Sissi pour les 10 subs offerts. Je sais pas ce qui nous vaut la chandelle, c'est pas du tout la bonne expression, mais merci beaucoup. Je sais pas ce qui nous vaut la peau de l'ours là. Merci. Des gros bisous. Merci Kelobs pour les 8 mois aussi. 8. Merci. Il sort quand? Dans 2 semaines, là? Ok, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boss. Donc il y en a 5, ok. Il y a 5 façons de ce stuff, là. 5 opportunités, plutôt. Fais le DLC est trop bien et sert le scénar. Oh, je sais pas si j'aurai le courage. Hein. Au pire, le DLC, je mettrai une vidéo YouTube peut-être. Hein. Parce qu'on les connaît les DLC d'Open World. Hein. Enfin, à part Witcher où apparemment c'est fou, les DLC d'Open World on connaît. Hein. C'est plus de la même chose, quoi. C'est une nouvelle zone, des nouveaux points d'intérêt et une petite histoire, quoi. Mais Witcher, apparemment, c'est bien. Déjà, faut voir si je vais pas overdoser aussi, parce que je dois le finir, là je suis à une vingtaine d'heures. En vrai, j'ai déjà fait N trucs dans le jeu. Je pense que niveau open world, j'ai quasiment clair la map en fait. Hein. Il doit me rester un creuset et quelques petits trucs à la con, genre des zones corrompues.
Bah en une vingtaine d'heures, l'open world en soi, je l'ai quasiment terminé de, d'Horizon. Il me reste les quêtes, quoi. Il a pas l'air si long, le genre. Hein. Et heureusement, finalement. Parce que si c'était juste encore plus de ça, au bout d'un moment, tu overdoses trop, quoi. Rien, ça ne sert à rien que ce soit trop long. Que faut-il faire pour affronter le boss que tu viens de tuer? Pour faire Hush, il faut tuer le cœur de Mom pendant genre 10 fois, 10 runs, un truc comme ça. Act of Contrition. Nice. Encore plus de tirer, je suis chaud. Est-ce que ça peut être en haut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, donc pourrait y avoir la 13e case en haut. Ouais. Pour l'instant, c'est pas clair. Hein. Et accessoirement, arriver à tuer le cœur de Mom en moins de 30 minutes. Ah oui, après, oui, pour l'accès à Hush, il faut arriver au cœur de Mom en moins de 30 minutes, mais je crois que le fait de débloquer le Blue Bomb, c'est tuer Mom 10 fois. 10 ou 11 fois. Je m'en vais aller flush la pizza. Mais... flush. Parlez pas de pizza, j'ai faim. Qu'est-ce que tu viens de compter? Je viens de compter la taille de la grille de la map. Pour vérifier si c'était possible que le boss soit tout en haut ou pas. Parce que s'il y avait déjà 13 cases de possible en hauteur, le boss pouvait pas faire un 2 cases vers le haut tout en haut là. Et vu qu'il y a que 12 cases en hauteur sûre pour l'instant, le boss peut être en haut. J'ai pris un peu des tartes pour rien là. C'est pas là, c'est vraiment pas là, malaise un peu. Bah spawn hein. Pas du tout, c'était dans la run d'avant, moi, je suis... Allez, vous me le bannez, lui. Hop. War of Babylon, je sais plus combien j'ai de cœur. Je crois que j'en ai globalement trop. Vas-y, bon, on va préférer ça. Hein. Tant pis. Je prends les HP, j'ai déjà pris trop de coups dans l'étage, je sais plus où j'en suis. Je pense que le boss est là, honnêtement. Vous aussi, vos boîtes de vin nuggets sont chères. Ah oui, d'accord, on est dans la torture, quoi. Une boîte de vin, ça se paye pas plus de 6 euros. La boîte de vin, c'est 6 euros ou moins. Que quand il y a des promos. Chiche Auvergnat. La boîte de vin à 5 balles. Ça ou rien. Il est grand l'étage. Hein. Il s'en passe des choses. Hein. Oh non, il est pas content. Il est pas content, vite. Blood Puppy. Reprends tes esprits, s'il te plaît, merci. À Nantes, elles sont à 13,50. Combien? 13,50 la boîte de vin. Ils te la portent gratuitement en calèche, non? Et tu fais un tour avec eux, non? 13,50 la boîte de vin. Ils viennent chez toi avec le poulet et... Il te les cuisine, non? Ils te font la marinade la veille et la panure le jour même. Hein. Pas possible, ça. À 13,50, c'est du vrai poulet? Oh, je sais pas, en vrai. Hein. Non! Pourquoi j'ai pris cette tarte? Elle était vraiment inutile. Hein. Je fais plus assez de flammes, c'est dommage d'avoir perdu le A+, quand même. Les Brimstone Bombs.
Tintin. Le nail. Du coup, je pense que c'est tout à gauche. Hein. Merci Denser. Attends. Merci Denser Prime. Merci beaucoup. Merci MGTHS pour les 1 an, l'œil de Sauron pour les 19 mois. Manu Robat pour les 41 mois de Prime. Et Rascal pour ça offert à Zouzou. Des gros bisous à toutes et tous. À 13,50, si tu rajoutes une sauce en plus, ça fait 14. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas assez de sauce. Quand tu prends une boîte de vin, il n'y a que 4 sauces. La moyenne d'un pot de sauce, c'est... Non, en vrai, 4 sauces, ça va. Non, en vrai, ça va. Mais est-ce que tu fais vraiment 5 nuggets par pot de sauce? Il n'y a que 3 sauces? Il n'y a que 3 sauces là où je... Ok, moi, je crois que c'était 4. Hein. Ah oui, 3 sauces, c'est pas assez. 3 sauces pour une boîte de vin, c'est pas assez. C'est bon. Tu fais pas 6,7 nuggets, non. Impossible. Hérésie. Bah yes. Dun. Merci pour ce divertissement de grande qualité. Merci la Malpaca pour les 3 mois de Prime, des bisous. Une sauce, ça fait 4-5 nuggets, ouais, c'est ça. Hein. Faut pas recouvrir le nuggets non plus, autant gober la sauce seule, non. Écoute, si t'as envie de manger tes cailloux, tu peux les manger, hein, mais... Nous, on aime bien les tremper dans la sauce, quoi. Si t'as envie de manger des galets, tu peux aller à la plage aussi, hein. Tintintin. Oh non. De toute façon, la meilleure sauce pour les nuggets, c'est pas des sauces McDo. Hein. Maintenant que j'ai découvert les ketchup au piment habanero et la sauce barbecue au Carolina Reaper, la meilleure sauce pour les nuggets, c'est les sauces que t'as dans ton frigo. Hein. Même si j'aime bien la sauce curry du McDo, quoi. Petite sauce curry là. Il est bien mon délirium là. Oh vas-y bouge pas. Voilà. Encore. Voilà. Pourquoi il reste longtemps comme ça là? Mais c'est trop bien mec. T'arrêtes jamais. On devrait que affronter ta grosse tête nulle là. Ce serait parfait ça. Et si la meilleure sauce c'était les amis rencontrés sur le chemin? J'ai la ref. C'est Naruto ça. Let's go. Ok, nice. Ah. Gelo. Ta Gelo, c'est pas une mauvaise unlock en vrai. 428. On a eu la Soul et le Gelo. Let's go. Toujours zéro mort. Ah. Ethereum, nickel chrome là. Maintenant Jacob V2. Pas du tout. Eden V2, on l'a jamais joué, c'est marrant ça. On a joué FV2 la dernière fois, c'est vrai. À la base, on voulait faire FV2 The Beast, moi je me rappelle. Hein. Je me rappelle que FV2 The Beast, c'était dans les tiroirs pour débloquer le Heartbreak. Enfin, je pense qu'on va repartir sur FV2 The Beast. Merci le Quincoin Masked pour les 14 mois. Bordel, 14 déjà, vivement les 14 suivants. Chiche brasse, de bisous à toi et au petit ching. Merci. Je vais faire un petit pipi, petite pause. Évidemment, on part sur 45 minutes de pub. Pas du tout, moi je vais faire pipi. Et je reviens pour FV2. Merci d'être là, à tout de suite. Et on partira sûrement sur un The Beast.
heureux. Merci un random, bien sûr. Merci pour les 2 mois de prime. Des bisous. Bon, FV2, pas le meilleur perso depuis que ça a changé, honnêtement. Mais bon. Tant pis, hein. Merci Kurosan pour les 3 mois. La dernière fois, on a quand même réussi à faire une run complètement pétée avec, donc... pourquoi pas, en fait. Le Golden Razor. Putain, ça m'en touche une sans bouger l'autre, celle-là. Ah, mais c'est vrai qu'il faut... Oui, il faut se rappeler que le Golden Razor te file 5 pièces quand tu le ramasses. Il est vrai. Non! Oh, je sais pas si je l'ai récupéré. Je sais pas si j'ai eu le temps de récupérer mon petit pote. En plus, on est en Curse of the Unknown. Je sais pas pourquoi je suis tout le temps en Curse of the Unknown avec FV2. Merci Kurosan pour les 3 mois, des bisous. Merci. Comment je fais pour être si fort? Non, mais j'ai 4400 heures de jeu. Au bout d'un moment, j'ai accumulé. Ça fait 6 ans que je joue à Isaac quasiment tous les jours. Donc, j'ai pris du niveau depuis le temps. Même si j'ai l'impression d'être moins fort, que vous avez joué 500 heures et tout, c'est normal en fait. Et je suis pas non plus perfect player, quoi, on va dire. Mais la seule raison, elle vient de là, hein, c'est que ça fait 6 ans vraiment que j'y joue 6 fois par semaine, quoi. J'ai évoqué les nuggets à Louise qui prenait un bain. C'est terrible. On n'a pas mangé, là, on est dans le déni, là. Terrible cette salle un peu là. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà fait Boss Rush Hush, donc j'ai fait les deux. Hein. Ah non, j'ai pas fait Boss Rush, c'est vrai. Oh putain. Non mais FV2, le start agressif, c'est compliqué quand même. Hein. Attends, pourquoi il tire du pipi lui? Il y a une synergie avec le Golden Razor. Cœur doré. Ah oui. C'est quoi sa particularité au cœur doré? S'il en a une. Ah oui, il a des larmes Midas Touch. Oh, j'ai envie de péter un plomb. Ah oui, bien. Après, le problème, c'est que j'ai l'impression que je vais le tuer sans le vouloir. Mais les araignées, venez! JPP, là. Hein. C'est un jeu de patience. Hein. Isaac, c'est un jeu de patience, bien sûr. Hein. Vous êtes content de venir sur ma chaîne quand il se passe ça. Hein. Bah voilà. Mais c'est que j'ai pas envie de perdre le moindre cœur, parce que c'est chiant FV2 si quand t'as pas de start avec des cœurs bleus directs. C'est quand même l'angoisse un peu. Hein. Oh, je vais péter un plung. Ah, mais après, du coup, j'ai plein de thunes. Hein. C'est bien ça. On a les mêmes starts là. Merci Moomdown pour les 42 mois de prime, Sevar pour les 11 mois. Thomas DMZ 9 mois et de 9. Good luck pour la suite du 0 to Dead Gone. Merci beaucoup. Oh, je vais péter un plomb V2. Mets des bombes, par pitié, mets des bombes. Ouvre de l'espace là. Crée du jeu. C'est bien. C'est ça qu'on veut voir. Midas Touch. Dommage. Ah, donc je suis bien full cœur. Je peux me balader avec le petit pot jaune sans perdre de cœur rouge. C'est bien ça. Plutôt pas mal. Il y avait quoi au shop? Est-ce qu'il y avait pas un petit cœur bleu? Est-ce qu'il y avait pas un petit cœur rouge surtout? Non, il y avait rien. Il y avait que dalle. Mon cul, ma bite, rien. Ah, chier les bulles. Le The Beast là, il est bien. Hein. Il part bien là. Hein. Oh putain, je vais péter un plomb.
Bien wesh. Magnifique. Ça se passe trop mal. Faudrait que j'arrive à garder le petit pot doré quand même. Envie de péter un plomb. Ça se passe trop mal. Envie de péter un plomb. Là, c'est du bon training en vrai. Ok, let's go. Le souper que j'aurais dû prendre après avoir fait des petits potes, c'est dommage. Dommage, fromage. Ta grand-mère fait du je sais pas quoi. Hein. Merci Eldrad pour les 3 mois. Cette streak vers le 100% depuis janvier qui régale tous les soirs devant Force à toi. Merci beaucoup Arfusion aussi pour les 9 mois. Des gros bisous. Mais non, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai remboursé les petits potes? Oh, je fais de la merde. Quand je vois pas mon nombre de cœur avec FV2, je fais n'importe quoi. Run sponsor bafanade. Non, mais ça va se relever, vous inquiétez pas. The Beast, tout de suite, là. The Beast arrive. On a rien mangé ce soir parce qu'on a mangé, tard cet après-midi. D'habitude, on mange le matin et ensuite on remange le soir. Mais sauf que là, on a mangé le matin, on a remangé tard dans l'après-midi. Et du coup, on est décalé. Décalé katane. Ohé. Et bon dégâts. Hein. Je crois que c'est une musique, la musique préférée de SPP et Mizufani. Un petit pot pourri, tiens. Pourquoi pas, à vrai dire. On se régale. Mais t'aimes pas la... Genre... Quel menteur celui-là. Putain, le mensonge éhonté quoi. Oh non, pas les bombes. Je veux pas perdre mes petits potes, s'il vous plaît. Les petits potes. Mais je fais pas de dégâts. Bafanade. Quoi bafanade? C'est quoi le problème? J'en banne un ou deux là. Ah, j'en banne un ou deux là. Merci beaucoup Ghosty pour les 30 mois. Des bisous. Scapular, attends, il faut que je fasse un test. Test. Ça fonctionne pas. Ok, nice. Ça fonctionne absolument pas, c'est terrible. Après, je peux le trigger moi-même, quoi, mais... Ça manque d'un damage up. Est-ce que je peux expliquer le principe du perso? Tu crées des petits potes avec tes points de vie. Les petits potes font des dégâts en fonction de tes damage à toi. Mais du coup, voilà. Les petits potes, au fil du temps, ils perdent des points de vie. Et après, là, par exemple, ils sont tout cuss, tu vois. Ils peuvent se faire one shot. Tu peux les rappeler avec le Sumptorium. Comme ça, hop, tu les ressuces. Après, tu vas pouvoir les réinvoquer, du coup. Tu perds pas l'excédent de petits potes. Si t'as pas assez de cœur pour stocker tes petits potes, tu perds pas l'excédent. Donc là je commence à avoir du cœur bleu, donc oulala, on peut transformer nos cœurs bleus. J'ai pas pris le converteur, je sais plus. Je pose trop de questions honnêtement, vraiment. Ouais, ce qu'on veut voir c'est un max de cœur. C'est ça qu'on veut, max de cœur pour pouvoir faire un max de petits potes. Pour pouvoir stonxer en fait et faire les salles rapidement avant qu'ils puissent se faire tuer ou toi quoi. Au bout d'un moment, tu prends plus de dégâts. Ce qui est bien, c'est que c'est un personnage qui a une bonne protection, du coup. Normalement. C'est plutôt les petits potes qui vont prendre des dégâts avant toi. Là, j'ai la chance d'avoir un petit pote doré. Et du coup, le petit pote doré, en plus de ça, il a un effet l'arme Midas Touch. Donc, c'est bien mieux qu'un cœur doré, en fait. C'est bien mieux que de stocker un cœur doré sur mon perso. Le vrai problème, c'est que je me tape des salles où c'est difficile de stocker les petits potes ensemble. Alors que c'est la stratégie à adopter pour pas en laisser un derrière. En vrai, c'est le Sélar. Le start Sélar, c'est horrible avec ce personnage.
Aïe aïe aïe. Oh les petits potes. Alors après il y a un bouton où tu peux les pas les rassembler mais leur dire de pas bouger. Mais je fais pas de damage, c'est pas possible. Oh non. Oh la punition est grande. Bannez-moi ça. En fait, eux, ils sont pas... Ils sont pas ralentis par l'étoile d'araignée, c'est pour ça que... Non, mes petits potes, j'en ai perdu deux, je crois. Ah, j'en ai perdu beaucoup plus que deux. Ah non, ça va. Rip le boss rush. Après, ça peut toujours arriver avec une Mama Mega. Hein. On l'a vu dans la run d'avant, je vois pourquoi on pourrait pas l'avoir maintenant. Hein. Mama Mega incoming, même, je dirais. C'est imminent. C'est pour ça que quoi? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Merci Lenka pour les 15 mois. Il y a une phrase que j'ai pas finie là, c'est pas grave. Retenez l'essentiel. Si j'ai commencé la phrase par c'est pour ça que, c'est qu'il y avait... Voilà, j'allais le dire. T'as commencé à expliquer un truc et puis... Bah ouais, mais après je me suis fait agresser par le jeu, donc je sais plus, j'étais dans le flow des petits potes. C'est pour ça que je me décalais à cause des toiles d'araignée. Je comprenais pas, mes petits potes sont censés me suivre à la même vitesse, mais eux ils sont pas affectés par la toile d'araignée, du coup c'est pour ça que je me décalais. Voilà. Restez connectés bien sûr. Abonnez-vous. Oui, ça fait déjà du dégât. Hein. Au moindre damage job, ça devient fou. Hein. Au moindre damage job, on vibre. Voilà, ça on vibre pas du tout. Ça on vibre the bee quoi. Bah, du coup on va juste créer un spam de petits potes. J'hésite à aller en Devil Deal même si c'est pas la strat du perso. Hein. Non c'est pas la strat du perso, faut aller en Godroom. Hein. Faut aller en Godroom, hein. C'est terrible mais faut aller en Godroom. Hein. J'aurais dû mettre une pub pendant le Cellar, c'est vrai. Ça aurait été plus rentable je pense. L'important c'est essentiel et ça c'est le principal, exactement. J'aurais pas dit mieux. Je crois que j'ai perdu des petits potes là. Non, 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 non! Oh là là, la pire salle pour les petits potes, c'est terrible! Il me faut le vol. Est-ce que les petits potes ils volent si j'ai le vol? Oui. Non, mais je perds trop de potes, là. D'un côté, avec si peu de points de vie, je devrais optimiser mon Sumptorium, en fait. Je devrais utiliser à balle le Sumptorium pour remettre quelques petits potes en pleine santé. Dont le petit pote doré qui va quand même pas très bien. Vas-y, c'est parti. Mais du coup, on va faire beaucoup moins de dégâts, quoi. Faut spam Sumptorium, en vrai. Je crois que je l'aime. Nouvelle FV2, je l'aime pas. Hein. Vraiment. C'était bien mieux avant. Hein. FV2, c'était mieux avant. Hein. Je suis désolé. Hein. Quelle époque on vit, terrible. Hein. Elle a Géchant. Depuis qu'elle a Géchant, elle est nulle. Et mon pognon! Non. Mourez! Oh, c'est terrible. Bon, après, apparemment, il y a un truc que je fais pas, c'est de jouer avec... What? Mais c'est fait one shot, lui! Hein? Mais il est en pleine santé, il était tout rouge! Mais il s'est fait one shot! Un élite, et alors? Oh, ça sert à rien en fait, ils se font one shot dans tous les cas, putain! Oh, ma run, elle est sensationnelle là. Ok, il y a du cœur rouge, ça te prie, hein. Il y a un combo BFF. Alors, normalement, oui, tu fais deux fois plus de dégâts avec BFF.
Normal le mug. J'ai une clé, hein, attention. C'est la folie. Non, j'ai perdu un petit pote qui est resté coincé dans le caillou. L'armée. Elle est nulle, mon armée. Momski, pareil sur l'avenir. Le sac à dos, bien aussi. En vrai. On verra si on a du pognon. Les Momski, pareil sur l'avenir. Scooper, pareil sur mon cul. Est-ce qu'on préfère pas Scooper quand même? Merci Hydrael pour les 9 mois. J'ai rejoué à Sea of Thieves. L'eau est moins bien modélisée que dans Pokémon Arceus. Coup dur un peu. Hein. C'est un peu le coup dur, quoi. J'ai pas de bombe, j'ai rien, quoi. Ah, ah, une bombe. Du mal à y croire, bien sûr. Ah, la moindre salle est là pour me faire chier, j'ai reperdu un petit pote. Non. Il me fallait une bombe pour un rocher marqué. Non, ah non, il était pas accessible. Faut pas que j'en perde, faut pas que j'en perde. J'ai un pote en or, bah oui, mais il est mort là, non? Ah non, ça va. Oh la salle horrible pour les petits potes. Terrible. Oh là là. Oh, ils vont tous se faire des pops là. Tous ceux qui restent avec moi là. J'aurais pu les laisser à l'entrée aussi. Il y a une strat comme ça. Golden rasoir avec le sac à dos, mais... En vrai, le golden rasoir avec le sac à dos, est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Après, c'est vrai que sur The Beast, si on a beaucoup de pognon, on sera content d'avoir le golden rasoir. J'ai pas trop confiance, mais vu qu'on a la Momski, c'est vrai que je dois le garder. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez totalement raison. En cet état, j'étais vraiment pas bien. Pour l'instant... Coup dur un peu là. Coup dur. La Godroom à 36%, j'ai pas de bombe. Vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Le théorème va-t-il se vérifier? 36% de chance de Godroom, pas de bombe pour la clé de Méga Satan. Normalement, il y a un axiome là. Hein. Il doit se passer quelque chose. Oh, j'envoie des coups de railgun, mais ça fait rien. Hein. Pas de dégâts. Vroom. Ah, pas vérifié. Le cube of mid, bien sûr. Tant mieux, hein. Moi je suis content. Hein. Je suis content que le théorème ne se vérifie pas. Ah. Tu l'aurais balance comment FV2 plutôt que ce qui a été fait dans le patch de juin? Je trouve que c'était bien en vrai. C'était bien comme c'était. Il y a des V2 plus craqués que d'autres. Je suis désolé, mais si Isaac V2 a pas été patch, je vois pas pourquoi FV2 aurait besoin d'un patch. Quoi. C'est sûr que c'était peut-être vraiment trop fort, mais je sais pas. Il y a une différence entre fort et chiant. Là, elle devient juste chiante à jouer, quoi. Je suis en train de perdre tout le monde. J'ai pas de dégâts aussi. Comment tu veux que je fasse? Au pire, c'est trop fort et alors... Bah après, je comprends. En fait, je comprends la volonté de repentance de pas vouloir péter le jeu trop facilement. Et je trouve que ça a été plutôt bien foutu, ça, dans le jeu. Genre, c'est plus possible de vraiment casser le jeu en un objet ou deux. Enfin, il reste des combos, mais... Globalement, comparé à avant, là, tes runs, elles se font plus au fur et à mesure que t'as plein d'items dans la run et tout. Ça, d'accord. Mais pour la mécanique d'un perso, en vrai, je pense que c'était pas dérangeant, quoi. Il y a déjà des persos qui sont turbo-broken dans le jeu. Putain, j'ai pas optimisé un demi-pote. Chien.
Ah. La porte s'ouvre gratuitement avec ça, ouais. Et ça nous donne des clés qu'on n'a pas. On va absolument l'acheter, je pense. Faudrait peut-être que j'ouvre ça, non ? Est-ce qu'ils peuvent mourir de mes propres explosions ? Vu qu'on a la momski. Oh, il y en a un qui a failli mourir là. Jean-Claude, il était tout seul. Let's go la thune. Avant son patch. Avant le patch, son activable était pas incroyable vu qu'il supprimait tous les potes. Oui, bah oui, mais ça, limite, c'est bien, tu vois, qu'ils aient fait en sorte que tu gardes l'excédent de petits potes. Mais pour contrebalancer, ils aient fait en sorte que t'en prends plein la gueule. Enfin, c'est-à-dire que si t'en prends plein la gueule et que tous tes petits potes sont à un point de vie, décèdent tous. Ça, j'aime moins, parce que déjà, de base, tu sais que sur les boss de fin, tu vas perdre tous tes potes. Ok. Ça va. J'aime bien mes deux activables, là. J'ai envie de péter un plomb. J'ai envie de péter un plomb. Pourquoi tu me suis... Ah, pour vider le somptorium. C'est terrible. Je suis tellement content d'avoir fait Mother avec elle. D'avoir même arnaqué Mother en vrai. Je suis tellement content de ça. Je crois que j'ai perdu un petit pote là-dessus, non ? Polycéphalus. Allô ? Super ! Il est sorti de sous terre pour me la mettre là. 90% de chance de Godroom. Putain mais Nick ! C'est pas possible ça ! Ça fait combien de fois que mes 90% Godroom je les prends dans le cul quoi ? Super. Super. T'avais des bombes, bah ouais, mais tout à l'heure sans bombes, j'ai pas eu à 30% quoi. Putain de jeu. Se fout de ma gueule quoi. Se fout de ma gueule. Ouais, moyen de faire des petits potes là. Non, je l'ai fait trop tôt. Terrible. Ok. Merci Escagas pour le sub. Bienvenue à toi. Et merci Altair Tower pour les 3 mois. Prends-moi sur les streams déjà. Le temps passe un peu trop vite à mon goût. Le temps file. De tears up et le perso devient craqué. Ouais, oui. Bah même un damage up quoi. Juste un petit damage up là. Le personnage devient bien meilleur. Hein. C'est juste que... Merde, putain. Je pensais qu'il y avait plus qu'une bombe. C'est juste que là, on a eu un tears up pour l'instant. On vire tout, hein. On vire absolument tout. On va faire la blinde de petits potes. Est-ce qu'on peut arnaquer la boss challenge room ? Oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. Hein. On peut totalement faire en sorte de rentrer avec un seul cœur dans la boss challenge room. Pas possible. Comment ça, pas possible ? Ça a bien bouffé mes cœurs bleus après, non ? On va tester, hein. Ouais, par contre, c'est chiant que ça bouffe les cœurs bleus. Il me rend pas les cœurs bleus en prio, là. Ah, chiant, ça. Après, l'armée est bonne, hein. Plus de, avec les tears up, là, ça commence à doser un peu.
Ah, j'ai réussi à récupérer un cœur bleu, je sais pas comment. C'est un peu aléatoire en fait ce que te rend le Sumptorium. En fait, il faut avoir les yeux rivés sur l'écran, ça c'est terrible je trouve. La façon la plus optique de la jouer, c'est comme ça. C'est de toujours tirer et d'utiliser le Sumptorium dès que tu perds un peu de points de vie, quoi. Le problème, c'est que c'est aussi la façon la plus chiante de jouer au jeu, quoi. Je dois me concentrer, quoi. C'est ça. Se concentrer, c'est terrible. Hein. Pourquoi je ravale mon vomi chaque minute? Bah, il faut, en fait, parce que ça reset les points de vie de ceux que tu ravales. Hein. Donc en vrai, c'est bien. Pas la bonne run pour poser des questions, c'est ça. Après, il y a plein de persos V2 comme ça où on est obligé d'être full concentré, en vrai. Ça a l'air encore pire à gérer que les flammes de Bethany. Ah oui, oui, 100%, ouais. C'est 100% plus dur à gérer. Hein. Un petit pote full life fait plus mal ou c'est juste pour refil la vie? C'est juste pour faire en sorte qu'il meure pas, en fait. Il a plus de points de vie quand il est full life, quoi. Ça manque d'un damage up, quoi. Le dank depth, il va pas être bien, là. Hein. Ça manque d'un damage up. Hein. T'as mon cœur en or, je l'ai depuis le début. Hein. Ah, ça c'est bien, mais c'est un peu tard. Déjà, à l'étage, ça va pas fonctionner, malheureusement. Le fait d'avoir des rerolls dans les item rooms. C'était très très bien, ça. Ouais, donc comme convenu, Momski, l'investissement sur l'avenir, tout ça. C'est très très bien. Faut pas perdre le A+ sur cette salle, par pitié. Ok. Tout va bien. Et mine de rien, on se prépare un bon pactole pour la fin. Hein. Je pense qu'en effet, à la fin de la run, on pourra sûrement claquer du damage pour The Beast. Hein. Faut déjà y arriver à The Beast, mais bon. Est-ce qu'il y a toujours le bug sur certains types de larmes avec les petits potes? Je sais pas du tout. Sûrement. Je sais pas. Est-ce qu'il reste des bugs depuis le patch de juin? Non, zéro bug. Hein. De toute façon, moi, j'ai joué à Repentance Day One. Zéro bug. Hein. Croyez-moi. Hein. Zéro bug day one. Dun, dun, dun. Bah putain, bah oui, j'ai perdu des petits potes. Bah oui, bah oui, bah oui. En même temps, si j'avais juste un dégât up, quoi. Juste un. N'importe lequel, hein. Même la viande, je prends. Oh, je perds tout le monde. Je perds tout le monde. C'est l'hécatombe. C'est Guernica. Arrête. Bozo incoming. Ah, Bozo, j'ai un peu plus de mal, mais... Je prends Bozo. Non, je prends pas Bozo. Non, Bozo, c'est en item room. Non, en fait, ce que je veux, c'est un coffre jaune. Un coffre jaune avec des objets dedans, quoi. Ça mettrait très très bien, ça. Je vais perdre des petits potes là-dessus. Apparemment non. Un petit soy milk. On l'a déjà eu le build soy milk avec eux. Hein. C'est rigolo. Hein. Le build douche. Après, on n'avait pas eu que soy milk non plus. Il y avait d'autres choses. Hein. Mais ça avait fait le taf. Ouais. Damn. Bon, du coup, j'avoue que boss rush, je sais pas comment ça va se passer avec ce perso. Il va vraiment falloir un start strong là, parce que si on a des starts lents comme ça, enfin, je dirais premier étage, un tears up dans un coffre jaune et un dégât up au boss, c'était parti pour un boss rush. Hein.
Faut déjà que ça tombe, quoi. Fer à cheval. Ok, on va aller chercher le coffre, là. Et puis on va essayer de trouver notre shop sur... Ouh, bien ça, très très bien. Deux cœurs bleus dans les coffres rouges, ça régale, ouais. Oh, terrible. Il va mourir. Je spread, là. Je spread un peu la douche. On fait une barrière, là. Voilà. On récupère un peu des potes. J'ai pas de range. J'ai pas de range, comment je fais? Oh, j'ai pas de range, au secours. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais je peux pas passer. Par pitié, ma run, par pitié. Non, je vais perdre le petit pote doré, ça va être terrible. Merci beaucoup, Repnep pour le Prime et Titavion pour le Raid. Bienvenue à Titavion. J'espère que le marathon Halo se passe bien. Toujours qu'on joue à Ebashrise, là, moi j'ai passé le RC 50. Merci beaucoup, Repnep pour le Prime et du coup, Titavion pour le Raid. Je pense que vous jouiez à Halo. La foi de tous les faire, quoi. Est-ce que le compost a un intérêt? Je pense pas. Merci beaucoup, bienvenue à vous. Nous, on est sur Isaac, en mode... je suis reparti d'une save de 0 début janvier, là. Oh, est-ce que ça a du sens de prendre ça? De toute façon, on spam avec eux, donc ouais. Ça va peut-être être terrible, en vrai. Hein. Après, on va envoyer des gros caltas, et puis surtout, on tire plus vite, donc pourquoi pas. Voilà, j'ai tout donné sur PC, Mashrise. J'ai tout donné. Bon. Ce serait bien d'avoir la Godroom, là, 100% de chance. J'espère qu'elle va tomber quand même. Merci Kawalor pour les 7 mois. May the petit pot be with you. Merci, merci. Là, moi, allô, j'aime que le multi, du coup, genre les... Les modes solo, là, tous les faire. Je me rappelle avoir fait genre le 4 et le 3 avec un pote. J'aurais pas la foi. The Body. C'est vrai qu'on a débloqué ça. C'est vrai que du coup j'ai le seum. C'est vrai que j'ai le seum d'avoir débloqué The Body parce que là ça sert à rien quoi. À la limite ça sert à virer deux cœurs bleus et les faire en petits potes. Parce que ça donne 3 cœurs rouges, je crois. Mes petits potes, ils vont mourir dans le feu. Ah, tu découvres toute la licence, le gars. Ah bah c'est vrai que le gameplay de Halo, si tu connaissais pas, c'est bien, quoi. Oui, c'est 3 HP up, je crois. Boum. Ah ouais, mais ça heal pas, en plus. Terrible. Voilà. Je suis heal, là. Et là ? Et là, je suis heal ou pas ? La clé. Oh, c'est trop tard pour la clé. On rappelle qu'on veut aller voir The Beast. Mais je sais pas si on va le faire en fait finalement d'aller voir The Beast là. Est-ce une bonne idée? Je sais pas. Hein. Déjà j'ai pas laissé de trinket. Est-ce que j'en ai sur moi? Oui j'ai le A+. Ah bah si du coup j'ai laissé un trinket puisque quand j'ai pris le A+, j'avais déjà un trinket je crois. Oh The Beast. Après The Beast en vrai ça... Si je perds pas trop de petits potes sur la remontée, on gagne grâce à... Grâce au Golden Razor en fait. Plus là, on va... Ah oui, non, mais là, en fait, on va avoir le négatif et on va le garder parce qu'on a le morceau de... la clé. Bref, V3. Ah oui, pardon. Ah oui, désolé. Oh, la honte. Oh, la honte, quoi. Il a voulu poser un trinket avec le personnage V2. Désolé. Vraiment désolé, quoi. Vous voyez, Shishéou qui a pas mangé, c'est terrible, en fait. Hein. Si avec un build comme ça, je roule sur The Beast, bien sûr. Faut juste... On va payer notre dégât, quoi. On est là pour payer le damage, en vrai. Mais le damage up du négatif va faire plaisir, en vrai. On s'en rend pas compte, mais... Inner Child, ça se prend. Bon, pour un demi-cœur, en vrai, non.
Merci Cuimo, 3 mois de Prime, le Prime qui dormait depuis 3 jours, quelle honte de ma part. Merci Erebus pour les 5 mois de retour, on laisse pas dormir. Asuka, 5 mois, le Dead God le mois prochain. Merci beaucoup. Le Dead God le mois prochain, je sais pas. Hein. Si tu parles de ma save, je suis pas sûr. Hein. Surtout que si on prend du retard, après on va jouer à d'autres jeux et tout. Enfin, bon, y a pas de retard en vrai, on le finit dans 3 mois, on le finit dans 3 mois, tu vois. Mais je pense pas que ça arrive sur... Si l'objectif c'était ce mois-ci, je pense que ça n'arrivera pas, il y a des grosses sorties et tout. Il y a des phases qui vont être prises, là, Lost Ark de mort. Oh non, je veux pas perdre mes petits potes. May the petit pote be with me. Eh, le petit pote doré est toujours là, hein. Bon, maintenant je l'ai doomed, j'ai dit ça, il est doomed. Il est condamné. Il y a les gens d'Arceus, bien sûr. Très très hâte. Damage up du négatif. Ouais, depuis repentance, le négatif donne du damage up. Un damage up. Ils peuvent mourir là-dessus? Non, mais ils peuvent body block. Oh, le truc de fou. Oh non. Oh, les pires sales. Pire sale. Pire mob. Pire mob. Au secours. Je vais perdre tout le monde. Tout le monde est mort. Envie de péter un plomb. Non. Non. Mon armée. Mais crève, abruti! Au moins, petit pote doré est encore en vie. La chicharmie, c'est vous, hein? À chaque fois qu'un petit pote meurt, c'est un viewer, hein? Vous rigolez, mais c'est vous qu'on perd là, dans la bataille. Hein. C'est quoi cette carte? Laisse-moi la ramasser par pitié. The Devil. Non. Je vérifie qu'il n'y a pas de lock-up. Super. Salut Lovely, merci pour les 39 mois de Prime. J'espère que ça roule. Merci Belnedra pour les 6 mois de Prime, 6 mois d'insomnie pour le Prime. Exarvin, 48 mois, 4 ans. Merci Frigorico, 32 mois. Allez, les petits potes, et Akane pour les 4 mois de Prime. Je tourne la tête, j'en ai 6 à lire. Qu'est-ce qui vous arrive? Merci beaucoup. Le petit pote doré, c'est un sub T3. Salle de challenge de boss avec un stapler, hein, ce serait bien. Hein. On a le droit de rêver. Hein. Non mais là, la boss challenge room, on l'a fait là. Vous voulez qu'on aille en boss challenge? En vrai, il faudrait, je pense. Hein. Si j'avais de la range un peu. Oh non, tout le monde prend. Aïe. Non, j'ai jamais voulu faire ça. Vous voyez, avec un damage up, tout de suite, ça devient bien meilleur. Imaginez avec N damage up payé par le jeu. Oh, la souffrance de FV2, là. En compétition avec le petit fumant, maintenant. Parce que gros potentiel, mais quel chienlit. Merci Supamac pour les 12 mois d'abonnement, 1 an. Et Spartou pour les 9 mois. Oh putain, j'ai fait le tour du monde. Le tour de France. Avec Cochonou. La justice. Merci Jacques DS pour le Prime. Et Wamari pour les 2 mois. Merci normalement à vous deux. Bienvenue et re-bienvenue respectivement. Xavier, merci, ouais, 14 mois et Just Druid pour les 13 mois. C'est quoi? C'est devenu un stream lecture de sub. Bonjour, bienvenue. Abonnez-vous. Merci. Allez, je fais des petits potes, hein, On va aller en boss challenge room, je pense. Hein. On va le faire, hein.
Il va le faire, le absolute madman va le faire. The full head. Merci Kenny Gaming pour le prime, des bisous. Maggie, deuxième perso, full complété, c'est dur mais je progresse. Let's go hein. Let's go, let's go. Maggie en plus c'est pas le personnage le plus sympa. Enfin, pour des débutants il est bien parce qu'il a, des cœurs, mais c'est pas. Ça va pas donner les meilleurs runs au début. Hein. Comme ça. Merci Nico Plop pour les 22 mois. Papapapin. Est-ce que je vais chercher... Oui, j'y vais maintenant, en vrai. Hein. Oui, j'y vais, j'y vais. Oh non. Non, j'avais oublié. Bougez pas, j'arrive. Oh, Sumptorium, par pitié. Oh, je paye. Je paye un peu de dégâts, là, parce que... J'ai perdu trop de gens, là. Le doré est mort ? Quoi ? Oh non. Un petit clown, comme ça. Le doré est mort ! SPP est mort ! Mais il est mort de quoi ? Merci Nicoplop pour les 22 mois. J'avais lu, je crois. Elle est où ? C'est où ? C'est où la boss challenge ? Il est mort de décès, ouais. Nice. Crise cardiaque, on n'a rien pu faire. Envie de péter un plomb. Momski, c'est maintenant, Momski. Envie de péter un plomb. Je suis en train de me faire arnaquer là, c'est un rip-off total. Bah va te faire foutre! C'est simple! Il reste de marbre. Merci Reveal pour les 17 mois, le Niaiseur pour les 13 mois, bonjour c'est le 13ème mois. Oh, nice. Merci pour le 13ème mois bien sûr. Je me suis fait scammed. 10 de luck, la luck n'influe pas là-dessus. Ah, The Beast là, ça passe hein. Merci Sameuse pour les 10 mois, yay. Merci, merci. Là je vais aller chercher une dinguerie là, c'est un HP up qui arrive là au moins. C'est au moins un HP up qui arrive là. En vrai, j'en ai besoin. Non. Par contre, lui, j'avais pas besoin de le voir. Hein. En vrai, j'en avais grave besoin. On avait eu zéro speed-up de la run. Ça fait grave plaisir. Et je suis pas ironique. Non, j'ai perdu des petits potes. Au contact ! Ah, putain ! Let's go the beast. Hein. Ça passe, moi je dis ça passe. C'est 100% lose. Ouais, tous jouent grâce au Golden Razor. Je perds le Golden Razor, je perds ma vie. Ça va être joyeux. Non, en vrai, je pense que ça passe. On vient d'avoir un damage up quand même, hein. Un damage up qui reste, hein. Le négatif là, il est là pour rester, il est là pour durer le négatif. Aucun regret parce que vous savez, on apprend de ses erreurs et je savais pas que cet ennemi pouvait t'attraper derrière un caillou en fait.
Je savais pas. Je savais pas que c'était possible. J'ai donc appris. Et comme j'ai appris, bah maintenant je saurais. Donc il n'y a aucun regret en fait. Perdre le A+, à ce moment de la game là, il y a vraiment zéro regret. C'est que de l'apprentissage, que du plaisir. Je savais pas. J'ignorais en fait. Tiri roll bill là, let's go. Hein. Nice, j'ai plus de clé. Tout va bien grâce à Momski. Point faible de la Momski, bah c'est trop fort, y a pas de point faible en fait. Ça gagne des games à tout seul en fait la Momski. Shard of Glass, planche. Tu peux utiliser un Forget Me Now dans Home. Mais deux fois, tu fais l'erreur. Putain, c'est possible d'être aussi con. J'ai rien vu. On a rien vu. Donc eux, ils peuvent me taper à travers, on est d'accord? Bah j'ai plus de potes, voilà. J'ai plus d'amis, j'ai plus d'amis! Dun, dun, dun. Oh, je suis... Putain de Guéna de merde là. Ça touche pas, on sait pas quoi. Ça se passe trop mal, ça se passe trop mal. J'ai plus de potes, y'a plus de cœur, rip. L'expérience Guéna elle est incroyable. Regardez-moi ça, j'ai même pas assez de cœur rouge. Pas pour nada. J'ai pas assez de cœur rouge pour Rustonks en fait. Pas moyen d'accéder à ça là. Shard of Glass et machin là. Y'a un bouton derrière le pilier du haut. On est là donc. Hein. Ah bah j'ai le droit de prendre les autres aussi. Un objet bonus. C'est trop, c'est trop. Guéna, c'est too much. Hein. Après, j'aurais dû dépenser du pognon. J'aurais dû dépenser de l'argent dans les salles où il y avait besoin de damage. Ça se serait fait tout seul. Hein. Putain, il va falloir tellement focus, quoi. Ils m'ont pas suivi, hein. Ils m'ont pas confiance, hein. Oh, j'espère qu'ils peuvent pas mourir sur les trucs à pic. Ah bah non, on avait vu que non. Le magnet, machin, vas-y, par pitié, j'en peux plus de cette partie, là. Bonjour, non plus. Merci, Nef, pour les 7 mois. Sameuse pour les 10 mois que nous ait yay. Oh là là. What do you mean it's gone? Je paye. Oh par pitié. Bah oui mais je perds tous mes petits potes dans les lasers, non c'est ça l'histoire?
Là, je tombe sur des salles, je les ai jamais vues, hein. C'est terrible. Hein. L'item du pognon. Oh, ben vas-y. Oh là 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 là. Oh, flemme. Ça fonctionne pas, non ? Je vais me prendre un coup de parapluie, c'est sûr. Ta-ta-ta-ta. Reset mental, reset mental. C'est imperdable. La run est trop bonne. Reset mental, reset mental. Imperdable, imperdable. On refait 2-3 potes là. Je joue plus assez le Sumptorium aussi, c'est ça mon problème. Du coup je perds trop de petits potes salle par salle. Et au bout du compte, je suis perdant, quoi. Oh non. En fait, je sais toujours pas si les Brimstone peuvent tuer les petits potes ou pas. Du coup, je pense que j'ai peur pour rien et je prends des dégâts pour rien, du coup. J'ai pas l'info sur ça. Brimstone fait un massacre, oui. Ok. Bon, il fallait que je le sache. Shut up! Ah, puis vas-y, hein. Ah, c'est la fête, hein! Tintin. Oh, sa mère, sa mère, sa mère! J'en peux plus! Voilà! Bon, bon, on va la jouer sans petit pote. Hein. On la joue officiellement sans petit pote. J'arrête d'essayer de les garder en vie, ça va péter les couilles. Hein. J'en recrée un, là, voilà. Je peux faire un de value, let's go, hop. J'arrête de jouer les potes. Ça a fait chier. C'est fini. C'est fini entre nous. Oh, le Bumkey. Ah, j'ai plus besoin de clé, hein. Viens là, mon pote. Faut juste survivre à la remontada. Faut que je survive. Je passe en mode survie. Putain, la run elle m'aura rendu fou. Mais c'est pas par là, hein. Pas possible que ce soit aussi loin. Ça se passe trop mal. Je vais arriver sur un cul-de-sac là, je spoiler hein. Prends-la. Merci Kiarana pour le sub, des bisous. You are insane. Hein. Laisse. Oh là là. Isaac. Non mais les bombes font beaucoup trop de dégâts ou c'est moi? Je savais pas que la bombe a one-shoté genre. Bien, ça bien. Je savais pas que les bombes one-shoté les ennemis du genre. C'est bien en vrai. C'est bien que ce soit le cas. Hein. C'est pas par là. C'est pas par là, mais j'y vais quand même. Aucun honneur, aucune dignité. Le map dog. Merci Arcos pour le sub.
transformer, des bisous. Allez hop, toi tu prends pas la clé. J'en ai rien à foutre. Ah. Le meilleur petit pote là, c'est le Cube of Meat. Hein. Le Cube of Meat V2 là, c'est lui mon meilleur atout. Plutôt crever. Rib of Grid. Petit connard. Wait. Heureusement que le lit existe. Non mais là les petits potes, limite on s'en fout hein. Tout ce qui compte c'est qu'on a le Golden Razor. Cette run j'allais pas voir The Beast si j'avais pas le Golden Razor. Hein. Et là on n'a pas besoin des petits potes pour gagner The Beast. Hein. On met 50 balles dans Dogma, 50 balles dans The Beast et il n'y a plus personne. Hein. Dun, 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 dun. Bon, on avait besoin de ça quoi. Sans ça c'était chiant un peu quand même. Hein. La puissance des bombes. Trop fortes les bombes maintenant. Insane. Hein. Ça pète par là. Je reviens en arrière. Je pense que c'est une de ces salles là. Nice. Le lit c'est le dernier en plus. Let's go. Hein. Oh, bah là, là c'est fou. On va faire tellement de potes. Crackjack, je vais me donner tellement un trinket pété. Genre la curved horn, hein, voilà. Il a eu une clé, alléluia. C'est vrai que j'ai pris le petit pote des clés, il a rien eu. Hein. Je lui ai rien donné. Hein. La strat lit. Tac. Et re... Tac. Déblocage, hein. Déblocation directe du, de la couette. Voilà, parfait. On va l'avoir notre heartbreak. Hein. On est venu pour ça, on repart pas sans. Hein. Ah ouais, quand même quoi. Rien que ça quoi. Oh merde, j'ai un peu payé là, j'ai un peu trop payé. Je m'attendais pas à avoir autant payé. Oh, merde, j'ai tant payé. Je voulais pas tant payer. Je voulais pas tant payer. J'ai trop payé. Après, l'item Dogma va me filer du... L'item Dogma va me filer du damage, mais... Oh, j'ai trop payé. J'ai beaucoup trop payé. Ah, la tomate sur la télé, meilleure phase. Adieu. Adieu les petits potes. C'était un plaisir de vous connaître. The Hermit. C'est vrai que par contre, il faut que je claque la... Il faut que je claque les morceaux de clé sur les mouches pour essayer de dropper du pognon. C'est pas bête, ça. Bon bah voilà, j'ai bien... En fait, je fais trop de dégâts. Donc, j'ai même pas besoin de voir les mouches. En phase 2. Quelle run folle. La folie de cette run. Oh
Voilà, nice. Beaucoup de plaisir. Sur un Lusty Blood, on était bien. C'est le build spam en plus, hein. Faut que je spam comme jage. Hein. Merde, j'ai perdu un petit pote là-dessus. Bouge pas, fumier, bouge pas! Revine! Oh le bâtard. J'arrive pas à le toucher, terrible. Oh yes, magnifique. Je sais pas ce qui fait le plus mal entre mes larmes et une petite bombe. Oula, oula! What? Ça compte comme une plateforme ça pour les bombes? Ça tourne mal. Okay. Ah, quand je regarde le tracker, je me dis que quand même c'est beau qu'on soit à The Beast, quoi. La game est faite sur Momki, quoi. Momki et Golden Razor. Voilà. Tracker, il est vraiment... Il donne envie de chialer, hein. Le Golden Teapot. Tain, j'avoue, le Golden Teapot, il a été fou aussi. On n'a pas la phase des fantômes. Ouais, horrible. Horrible phase. Sûrement la pire phase de The Beast ever. Imagine ce tracker avec le petit fumant. Bah, je serais pas allé voir The Beast, hein, je pense. Oh, le fumant, j'ai pas hâte de le jouer. Hein. Le fumant, vraiment, ça va être les pires soirées. Hein. Quand on va jouer le fumant, je vais faire que me plaindre. Enfin, je veux dire, plus que d'habitude, quoi. Merci, Waouh, pour les 3 mois. Merci, Raoud, pour les 6 mois de Prime. Des gros bisous. Bon allez, là faut switch de côté monsieur, là on en peut plus hein. Ah, toujours pas hein. Pourtant il en a pris de la bombe hein. Là il me refait les fantômes, yes. Et tout ça c'est une unlock. Un secret. Ça ne compte quand même que pour rien. Nice. Pas pour nada. Vas-y, je fais des petits potes, j'en ai rien à foutre. Allez! Oh. Oh! Oh!
Merci frère Bello pour le prime, des bisous. Oh, c'était dur, hein. C'était mentalement très dur. Mentalement, c'était compliqué. Mentally, I'm here. Heartbreak. Oh, c'était pas menti, hein. C'est heartbreak, hein. 429. Let's go. Qu'y a-t-il? Ben de Twitch. Attendez, Ben de Twitch. Je gère Ben de Twitch. Est-ce que j'ai eu la notif? Oui. Oui, oui, j'ai eu la notif, Ben. Bien vu. Je confirme la notif. Je suis en régal de voir le champion du monde de France du Twitch Isaac. Merci beaucoup, Slides, pour les 9 mois. Bien vu, la notif. Ok. On va peut-être changer de musique, là. Tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Changement de registre, là. Bon, FV2, oh là là. Comment on va faire Blue Baby avec FV2, hein? Comment on va faire ça, quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit gridilleur, et en même temps, j'ai pas envie de débloquer des cartes. Mais en même temps, si on n'avance pas sur les gridilleurs, bah on n'avance pas, quoi. Petite Bethany. Ah, Bethany, on a tout joué, hein. On n'a pas joué Bethany V2, mais on a joué Bethany, quoi. Ta-ta-tin. Eden V2, pas joué. Moi, j'ai envie de me faire un gridilleur, mais je sais pas. Ah, c'est vrai qu'on a débloqué Judas V2 aussi, hein. On a débloqué Judas V2, on a débloqué tout le monde, hein. Everybody is here. Hein. Titanoc Keeper V2. Oh, le Keeper The Beast, là. Le Keeper The Beast des familles. On a déjà joué Keeper ce soir. Hein. Keeper, on l'a fait en daily. Titanlock de Apollyon V2, là. Titanlock Apollyon V2, on retourne voir The Beast. Didum, didum. Je sais pas, il y a trop de choix. C'est ouf que Azazel soit pas terminé, quoi. Azazel, il est pas allé voir Blue Baby. J'ai envie de me détendre avec un petit Azazel Blue Baby. Il est pas allé le voir, c'est terrible. Hein. Je sais même pas ce que ça débloque. Mais ça n'a aucun sens que Azazel soit pas terminé. Personnage que j'aime pas, en plus. Ce grattage de Yep, ça me gratte trop le Yep, c'est terrible. Après une run comme ça, je suis obligé de me détendre. J'ai mon pied qui me gratte. Je suis désolé. J'ai le pied qui gratte. Pourquoi win streak de 7? Parce que je suis mort, mais j'ai pas accepté la mort. Je suis pas d'accord, du coup je la compte pas. Il y a eu une mort, mais je la compte pas. Non, en vrai, c'est parce que quand on s'est transformé en The Lost pour débloquer The Lost, le jeu il a considéré qu'on avait perdu la streak. Alors qu'on a fini la run. J'ai envie de reroll le Libra, là. Là, on va voir Blue Baby, en vrai. Après, si on a un start fou, on ira voir Mother, mais... Ça a pas l'air d'être un start fou. Après, Mother, est-ce que c'est vraiment un problème avec Azazel? Il y a la phase The Lost qui est un peu chiante, mais du coup, t'as le The Fool, quand même, qui t'assure... De rester en vie, on va dire. Pause. Pause! Magnetizing tir, je suis pas sûr que ce soit le bon plan. Ça, c'est de la range, en vrai. Est-ce que ça a un petit effet? Genre, est-ce que ça split un petit peu avec, avec lui? Golibra, c'est bien sur Azazel. Alors non. Oui, non, ça sert vraiment à rien. J'ai pris un item qui sert à rien avec lui. Non, pourquoi j'ai fait ça? Je suis sûr qu'il y a synergie genre avec Brimstone, mais pas avec le Brimstone d'Azazel. C'est terrible un peu. Mort sans dire, c'est 150 subs. Non, mais vous le sauriez, si j'étais mort une deuxième fois, le chat vous le dirait. Il me dénoncerait. Je me ferais dénoncer. Dommage, derrière, il y avait le 25. Quoi? Ah oui, pour reroll, oui, oui. Bah en fait, le truc, c'est que je me suis dit que ça allait me donner plus de range que ça. En fait, je pense que dans tous les cas, je l'aurais pris, le compound fracture. Ah, nice.
C'est le quart, vous me dénoncez là? Ce que j'ai fait. Après, il y a peut-être que avec Azazel que ça donne peu de range et qu'on pont de fracture en donne plus d'habitude, je sais pas. Le Blood Clot. Est-ce que ça marche avec Azazel, Blood Clot? Je suis même pas sûr que ça fasse quelque chose. Ça finit comment la dernière run avec Lilith V2? Lilith V2 ou Eve V2? Parce que Lilith V2, ça s'est très bien passé. On allait voir Delirium après Hush. Et Eve V2, on a fait The Beast, là. Eve V2, The Beast. Voilà ce qu'on a fait. Et ça s'est bien passé. Je dirais que ce dont je suis le plus fier de la run d'avant, c'est d'avoir gardé mon sang-froid, principalement. Je trouve que j'ai été assez serein, en vrai. Est-ce que j'avais envie de voir ce Devil Deal? Je suis pas sûr. La méta de pas ouvrir un coffre rouge à Basement 2, elle existe quand même. Hein. Oh. Oh, bon, la méta Devil Deal est bonne dans cette run, du coup. Si on commence à me proposer du Guppy, moi je suis chaud. Non mais vous avez vécu les émotions, c'est important. Le chocolat, c'est bon. Oui. J'aime le chocolat, mais j'aimerais surtout manger. Faut que je mange quelque chose. Je suis en train de dépérir. On n'a pas mangé ce soir. Je reviens d'une bad avec le chien de 1 heure là. Je suis en train de crever de faim. Faut toujours que tu manges. Mais j'ai pas mangé avant le stream. Là, il y a une vraie cause. Petit kebab. Oh, plutôt crevé. Ah non, mais les kebabs du coin, ils sont horribles, Louise. Les kebabs du coin, ils sont dégueulasses. C'est dommage, on reçoit les courses demain, quoi. J'avais pas tant mal au ventre, je me ferais des nouilles qui piquent, mais j'ai mal au ventre. On va aller voir l'item room. Prends-toi un kebab si t'en as envie, Louise, hein, clairement. Prends-toi un bon babké. Des familles. J'ai déjà goûté les croquettes de la Roscasse. Non. Ah, c'est vrai que là, devant moi, j'ai les... En fait, le problème, c'est que ça a l'air bon, mais ça sent pas bon, quoi. Les friandises de la Roscasse, ça a l'air bon. C'est au poulet et... Y a quoi dedans? C'est globalement du poulet et un peu de fruits, quoi. Donc ça a l'air bon, tu vois, mais... 100%, ça a le goût de l'odeur, et ça, c'est terrible, non? Je vais vérifier pour les Secret Rooms. Il m'a entendu, vu sur la télé, il arrive. Oh merde. Ça a dû le réveiller, ouais. Le bruit de la croquette a dû le réveiller, il a dû être trigger par la croquette. Le bruit des sachets, comme ça trigger les yinches, hein, c'est validé. Hein. Il arrive, en tout cas. Il sait pas ouvrir la porte, apparemment. Hein. Terrible coup dur pour la Roscasse. Hein. Petit matchbook, là. Tous ceux que j'ai vu essayer ont dit que ça avait le goût de l'odeur, effectivement. Ouais, du coup, ça donne pas envie. Alors. Qui c'est qui a la chiasse et qui va venir manger un peu de bêtises, là? Tu baves? Vraiment, t'es en train de baver, là? T'es en train de réfléchir aux friandises et te dire « Oh là là, putain, si seulement je pouvais en manger là, miam, miam, miam. » Oh, les grandes, ça, c'est une double. Une petite dernière. Une dernière, mon chien. Tu check.
Tu es bien, mon bébé. Tiens. Allez, c'est fini. Tu es bien. Oh, tu pues les fesses. Bah oui, t'as eu la chiasse. Hein? Bah oui. Tout mal au ventre dans cette famille, hein. Tu veux un kebab, Roscoe? Ah, un kebab? Tu veux un kebab? Oh, t'as l'air de vouloir un kebab, toi. Ah, prends un kebab pour Roscoe, Louise. Supplément sauce blanche. Oh, il pue du cul. Oh, il s'est tourné dans la pièce, là. Ah, oh, c'est une odeur acide. L'odeur est acide. Je vous partage, hein. C'est important. La Montezuma Revenge, ouais. Ah, l'olfacto description, là. Ça allait, tu vois, il est rentré dans la pièce, puis il s'est tourné, quoi. Il s'est tourné pour repartir. Badam babam. Vivement les streams en odorama. Il m'a fait un peu de vent, il a un peu balayé avec sa queue, genre il est parti en faisant... Quand ça se fait que j'ai des chances d'Angel Room, après avoir pris Guppy en DD. Alors j'ai pas pris Guppy en DD. Je suis juste allé dans un Devil Deal où il y avait des cœurs noirs. Guppy, je l'ai pris après dans un coffre rouge. Mais j'entends bien. Il a souvent la chiasse, c'est un truc de rasier. Il a beaucoup moins la chiasse que quand il était petit. Là, le problème, c'est qu'il a mangé des saloperies par terre récemment, donc... ça a dû... voilà. Ça a dû trigger les boyaux. Il a mangé du... Je sais pas si j'ai pris la torchlight, déjà. Ah. Oh, Jacob la 2. Ça fonctionne? Oh oui, quel plaisir. Les saloperies par terre, genre quoi? Genre une cuisse de poulet, un morceau de kebab. Eh ben, justement! Hier, il a bouffé un kebab. Ou un morceau de kebab. Enfin, il a pas eu le temps de bouffer un kebab entier, mais... Il a trouvé un bout de pain mouillé avec du kebab dedans, donc... c'est peut-être ça qui lui a filé la chiasse aujourd'hui, quoi. Le fameux otakos. Ah, il a mangé un otakos une fois, ouais. D'un côté, les gens... sont des porcs. Fin. Fin de l'histoire. Fin de mon livre. Disponible sur Amazon. Merci Éclairou pour les 6 mois de Prime. Bonsoir, moi aussi je vais avoir un dogo le 19, un berger hollandais. Bah occupe-toi-en bien, amusez-vous bien. Merci Nyx pour les 2 mois de Prime, la brasse continue. Les gens sont des porcs. Merci d'être venu à mon TED Talk. Je ne comprends pas. Qui sont ces gens qui foutent tout par terre, quoi. Pourquoi? Pourquoi jeter ton kebab par terre? Pourquoi jeter ton otakos par... Enfin, je comprends. Genre, honnêtement, tu me donnes un otakos ou un kebab dégueulasse du coin, là? Oui. Bien sûr que j'ai envie de le foutre par terre, mais je vais pas le faire. Bon, on a The Stars inversé. Donc là, on peut virer Compon de Fracture pour avoir 2 objets. Ah bon, on l'avait jamais eu, Epic Fetus. Et puis rare comme c'est parti. Hein. Oh, ça fonctionne pas. Ah, y a pas de synergie. Au secours. Bah, c'est parti pour speedrunner. Hein. Speedrunner. Let's go. Hein. Ras le cul. Après, il y a un cœur avec un contour doré. C'est le cœur doré. Quand tu le perds, tu gagnes des pièces. Faut le débloquer, quoi. Synergie Bomzaï, ouais. La fameuse synergie Bomzaï. El Famoso, quoi. Famoso, synergie Bomzaï, synergie Loki's Horn. Du coup, pas Mother. Bah, c'est trop tard. De toute façon, j'ai pas la clé. Faudrait les sad bombes. Hein. Putain, mais c'est terrible, quoi. Ou alors, faudrait Brimstone. Brimstone, ça fonctionne direct, non? Genre là, je trouve Brimstone, ça fonctionne instant.
Non, ça fonctionne plus instant. Quelle vie à chier, quoi. Ton build était mieux avant. Ah bon, c'était mieux avant, hein. Bien sûr. Hein. Mon build était mieux dans les années 90, quoi. Bah je le savais pas, je m'en rappelais un peu, mais dans tous les cas, Epic Fetus, vu que maintenant il est disponible que en Secret Room, autant le prendre, le jouer, et comme ça on se prendra pas la tête avec le fait de compléter les objets, quoi. Il y a beaucoup d'items maintenant qui sont only Secret Room. Donc quand t'en vois un que t'as pas vu, honnêtement, autant le prendre. Même Missing No, là, j'aurais accepté de le prendre. J'aurais accepté de prendre la balle. Après, c'est sûr qu'à la fin, quand on aura fait tous les objectifs avec tous les personnages, on fera des runs Isaac V2 à base de casser le jeu et tout. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'aurais moins de mal de prendre un Missing No ou de le reroll avec du D4, D100. Mais bon, au moins, c'est pas grave. Petit run Epic. Et c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein, Epic Fetus. C'est fort, hein. Chercher Magic Mush, là. Ok, cringe un peu. Mon build était mieux la run d'avant. Ça, par contre, je sais pas si j'oserais le dire. Mon build était pas mieux la run d'avant, je pense. Tente les 5 gulps aussi. Non, ça, j'ai dit qu'on le ferait en PhD. Enfin, me faites pas jouer pilule, s'il vous plaît. Non, quand on a le PhD, je viens. Il reste tellement... Après, ça débloque quoi déjà les 5 gulps? Ah, c'est pour Marbles. Ah, c'est pas dramatique de pas avoir Marbles, hein. Non, honnêtement, dès qu'on va jouer du PhD, du Luck Foot, on partira sur jouer pilule et espérer des gulps, mais là, c'est non. Honnêtement, je préfère pas. Rappelez-vous que j'ai pas mangé. J'ai pas mangé, mais j'ai pas si faim, tu vois. Doudo. Tu vois, j'ai pas mangé, mais là, en vrai, j'ai pas faim, quoi. C'est une expérience sociale que je suis en train de faire. Hein. T'as pris des pizzas. Oh, merde. Quel genre de pizza? Non. Non, mon ventre. Je la mangerai demain. Non, pas une pizza. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi j'ai fait ça? Une pizza tacos. On est demain. Ah, les tickets restaurants à écouler, là. Quelle terrible erreur. La pizza sushi. La pizza Sodebo avec des frites micro-ondes. Let's go. C'est un repas qu'on a beaucoup mangé avec mon cousin. Quand j'allais chez lui le week-end pour gamer tout le week-end. Des fois, ses parents partaient en soirée et du coup, on restait le samedi soir à gamer chez lui. Et on se faisait les burgers micro-ondes avec les frites micro-ondes. Et pire, des fois, on faisait les burgers pas micro-ondes, mais les burgers four, là. Avec la sauce orange magmatique, là. Ah, celle-là... La sauce magma orange des burgers à 2 centimes, là. Ah, c'est les années de Dofus, ça. Hein. La sauce magma, elle est bien, ouais. Hein. Ah, c'est... Comment on faisait pour bouffer ça? C'est immonde, ouais. Et surtout que, genre... Je pense que même Philippe Etchebest, il peut pas cuire un burger magma parfaitement, tu vois. Genre, c'est impossible. Au four, ça devient de la biscotte. Au micro-ondes, il sera jamais cuit de manière uniforme. C'est impossible. Les burgers sauce magma orange, tu ne peux pas bien les cuire, en fait. Ça n'existe pas. Les burgers surgelés Eco Plus, là. Vous voyez de quoi je parle, hein. Au sèche-linge.
Les trucs sauce magma là. Bah après t'as ceux de marque, les Charal, mais qui sont pareils en fait, c'est la même merde. Hein. Et avec les frites micro-ondes. Mais du coup par contre il y avait les burgers Charal micro-ondes. Bon ils étaient pas bons, mais ils étaient meilleurs. Les burgers Charal micro-ondes, il y avait les hot dogs aussi là. En vrai ils étaient pas bons, mais ils étaient meilleurs. Ils étaient meilleurs que les sauces magma surgelées quoi. Avec le pain du dessus, dur et sec. Quoi. Ça, j'en ai déglingué quelques-uns quand même. Hein. C'est peut-être pour ça que là, aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Oui. Est-ce qu'on les trouve sur le trottoir, ces burgers-là? J'en ai déjà vu par terre. Oui. J'ai déjà vu des burgers sauce magma par terre, oui, bien sûr. Les frites micro-ondes, genre en boîte avec les frites dans des petits rangements, la façon boîte de crayon, c'est ça, c'est exactement ça. C'était exactement celle-là. Elles étaient pas ouf non plus, mais... On a mangé quelques-unes, quoi. Après, on se faisait des vrais repas de seigneurs. Hein. Devant les soirées Dofus, on s'est fait des repas seigneurs, genre Pringles mozzarella, hein. Ça c'est... Une Pringles, une tranche de mozza, une Pringles, une tranche de mozza, là tu te fais les meilleurs sandwichs, et boum. Ça c'est les vrais bails. Hein. What? Trop bon, la mozzarella c'est trop bon. Tu vois, la Pringles, tu vois, elle est en forme de tuile. Du coup, elle est parfaitement incurvée pour accueillir un bout de mozzarella, tu vois. Vous dites gâchis de mozzarella, mais bon, c'était de la carouf, hein. C'était pas de la mozzarella de boufflonne. Non, hein. C'était de la mozzarella de bouffon. Et c'est tout, hein. Pringles vache qui rit, en fait. En vrai, je comprends, tu vois. Pringles vache qui rit, je pense, je comprends. Faut que je teste. Mais bon, de toute façon, moi, mon truc le plus cœur 7, vous le connaissez, et je l'ai dit plein de fois, donc... Vous savez que j'ai déjà mangé des paquets de nouilles instantanées crues, donc... Comme un tiens-tel. Parce que c'est vraiment... La fois où j'ai eu le plus la flemme de ma vie, j'ai fait nouilles instantanées crues. Avec de la Monster Energy. Et vous savez, le petit sachet de poudre, là, bah du coup, je l'humidifiais pour pouvoir avoir de la poudre sur mes pâtes. Genre, tu vois, tu humidifies ta pâte avec un peu d'eau ou à la limite, tu lèches un peu le bloc de pâte, tu vois, et tu le trempes dans la poudre. Voilà, j'ai pris un coup pour ça. C'est immonde. Faites jamais ça. Ça se mange comme des chips, mais c'est horrible, hein. Mais avec la Monster Energy, ça passait bien. C'est pas cœur, ça fait des chips. C'est ça, en fait. Faut le prendre comme un apéritif. Faut le prendre comme un apéro. Ça ressemble un peu à des Pringles, en fait. Ça rassasie, au moins. Non. Mais j'avais pas le temps, je jouais à Diablo 3. J'avais pas le temps de me faire des pâtes au pesto, hein. Pâte au pesto, je les faisais en 13 minutes top chrono, le temps de faire bouillir l'eau et tout. Hein. Bah j'avais pas le temps. Fallait aller farmer Hamelin. Hein. Mais à l'époque, jamais de mal de bide avec ça. Hein. Maintenant, je fais un peu de la merde ou quoi, je sens quand même que j'ai mal au bide. À l'époque, non. On se rappelle tous de la faute. C'est vrai qu'il y a une fois où je voulais me faire un thé en stream parce que j'étais trop fatigué. Quand je vivais seul. Et j'avais oublié l'eau. Du coup, tout d'un coup, ça commençait à sentir le cramé dans l'appart. Et en fait, c'était la casserole qui était en train de cuire. Mais elle est en train de s'auto-cuire, en fait.
Je suis arrivé dans la cuisine, je vivais dans 19 mètres carrés, c'est juste que la cuisine a été cachée derrière le mur de la salle de bain. Du coup, en fait, je suis passé derrière le fond vert, j'ai vu de la fumée comme jamais, j'ai fait « Oh merde !» Je me suis fait un thé quand même. Il avait goût bite, c'était horrible. Non, le mieux, c'est quand je me faisais un thé et que je laissais la tasse derrière moi le temps que ça infuse et j'oubliais pendant 40 minutes, une heure, le temps de faire une run. Et là, quelqu'un du chat me disait « Mais t'avais pas fait un thé il y a une heure ?» Et du coup, le thé, il avait infusé pendant une heure et c'était horrible. Et je le buvais sans sucre pour un maximum d'effet en stream. On va voir Blue Baby, hein. What bet is? Double succube, là. Let's go, hein. Merci Thanatos pour les 4 mois de Prime, Vivizac et vive la nouvelle save. Des gros bisous. Oh. Les infos de chat, c'était autre chose à l'époque. Là. C'était que des vraies infos à cette époque-là. Putain, Chichéo, tu m'as influencé, j'ai eu envie de foutre le feu à ma baraque, quoi. Ça, on pouvait pas me le dire à l'époque. À l'époque, on était 50. Dans les grands soirs, on était 100. Personne m'aurait dit ça. Pourquoi je speedrun pas, en vrai? Parce que je raconte ma vie, peut-être, non? J'en ai marre de Momzai. Momzai est le principal source de mes malheurs, là. Bien ça. C'est la nostalgie qui parle. C'était 100% la brasse déjà à l'époque, juste que tu te souviens des bons moments. Quoi? Non, je pense pas en vrai. Non, quand on était 100, honnêtement, c'était la brasse. Mais c'est incomparable parce que genre... Comment dire? Quand c'était la brasse, c'est qu'il y avait une discussion entre peu de personnes. Et du coup, tu pouvais la dodge plus ou moins. Parce que si t'es pas dans la discussion et que les gens parlent entre eux, qu'est-ce que tu veux, tu vois, tu dévis la discussion, et puis voilà. Maintenant, dans tous les cas, que je parle d'un truc dont quelqu'un a parlé ou pas, tu peux être sûr qu'en même temps, il y a d'autres gens qui font quelque chose, plus que j'ai oublié une ref, j'ai oublié un sub et tout. C'est mieux maintenant, évidemment, vous êtes N, donc c'est incroyable. Mais je veux dire, je pense que j'avais moins de mal à gérer le chat à l'époque. Bon, maintenant, je me suis fait à l'idée que c'était impossible que je puisse tout lire, mais à l'époque, je lisais quasiment tout, quoi. Après, évidemment, oui, la blague sur quelqu'un m'aurait pas fait une info de chat à l'époque, bien sûr que non, oui. Évidemment que j'avais des infos de chat à l'époque. Hop, je vous évite ça quand même. Tu as lu ce message? Oui, bien sûr. Mais bon, là, je vous parle d'un temps, c'était il y a 6 ans. Hein. Les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah! Ah, le casque, il est en train de me défoncer l'oreille, là. Je sais pas comment je l'ai mis. Ah. L'époque d'avant avait une certaine nostalgie. Ouais, bah il y a une nostalgie, mais c'est mieux maintenant, quoi. 100%, c'est mieux maintenant. Da-da-da-da-da. Même perso, enfin, je veux dire, je suis sûr que je fais des meilleurs streams maintenant qu'à l'époque. 6 ans, la chaîne a 2-3 ans. Ah, ça y est, putain. Je m'appelle pas Mintos. J'accepte pas ça. Ta-dum, ta-dum. J'accepte pas la diffamation là. Ma chaîne existait avant que je fasse plus de 1000 viewers, Ben. Hein. Ta-dum, ta-dum. Tu joues au jeu là, Ben, là, le jeu auquel tu voulais jouer là? Tu joues à Silksong là? Ah oui, bah avant on brassait en vocal, mais parce que c'était possible. Maintenant, si j'ai quelqu'un en vocal avec moi, je lis jamais le chat. Et du coup, c'est chiant. Alors quand on fait un vendredi après-midi où on brasse avec Skija, Kakuev qui débarque, puis Minto Seben, bah voilà, c'est rigolo. Mais je pourrais pas faire ça tout le temps, parce que du coup, ça reviendra à jamais lire le chat. Je sais même pas si c'est vraiment bien. Ça se teste, je pense. Ça se teste. C'est pas le jeu du mois, mais je pense que ça se teste. Oh, s'il te plaît. Bon, j'en ai marre.
Dibidudum, dudibidudum. C'est pas Ben qui m'a donné le 70-30, hein. Calmez-vous, hein. Sont quels 70-30? Ça existe pas le 70-30. Je sais pas de quoi on parle, hein. Dibidudum, dibidudum. Je prends pas en blind, je pense. Dudun, dudun. Ça parlait un peu du jeu de Yacht Club Game. Ah, pas du tout. C'est vrai que Yacht Club a annoncé leur prochain gros projet après Shovel Knight Dig. Bon, Shovel Knight Dig qui n'est pas encore sorti. Hein. Mais après Shovel Knight Dig, ils vont bosser sur un nouveau jeu qui n'est pas du tout dans l'univers de Shovel Knight. Il change enfin. Alors, ça reste du rétro gaming. Ils veulent faire un jeu 8 bits inspiré de Castlevania et de Zelda Link's Awakening. Ça a l'air très stylé et c'est en Kickstarter actuellement. Ça a l'air pas mal. Hein. Donc encore un Kickstarter. Après, un Kickstarter, c'est pas une mauvaise idée. Hein. Si vous prenez comme référence le jeu de société Binding of Isaac, c'est pas pareil, un jeu vidéo. Hollow Knight, c'est un Kickstarter à la base. Hein. Shovel Knight, à la base, c'est un Kickstarter. Le prochain jeu du studio de Messenger, c'est un Kickstarter aussi. La plupart, en vrai, des gros jeux indépendants sont des Kickstarters. Il y a Céleste, qu'on n'est pas un, mais... C'est assez rare, en vrai. Mais du coup, oui, c'est prévu pour fin 2023. De toute façon, ils ont Shovel Knight Dig à sortir avant, donc... Il devrait arriver dans pas trop longtemps pour eux, apparemment. Ils ont l'argent maintenant, tu te demandes si c'est pas juste pour la pub. Bah non, parce que si tu vas en bas des Kickstarter, tu sais pourquoi ils le font. Alors après, ça revient à avoir de la confiance dans les gens. Est-ce qu'on peut avoir de la confiance dans les gens? Je sais pas. Mais si tu suis par exemple Messenger, ils ont réinvesti tout le pognon qu'ils avaient de Messenger pour faire leur prochain jeu. Du coup, derrière, ils viennent avec un Kickstarter en mode, bah, si on veut faire exactement ce qu'on veut, on a besoin aussi de cette somme-là. Et rester, du coup, indépendant. Parce qu'il y a ça aussi. Maintenant, quand t'es développeur indépendant, souvent, tu chopes de la thune par un éditeur. Vous voyez Annapurna, qui édite énormément de jeux, il donne des thunes. Bon bah un studio comme celui de The Messenger, ils ont décidé de rester indépendants et de pas prendre de thunes externes. Alors des fois après ils prennent aussi des thunes tout en ayant fait un Kickstarter. Moi j'ai aucun problème avec ça, les développeurs qui prennent la thune, hein, ça rend les jeux meilleurs. Et du coup souvent ils font un Kickstarter parce que ils veulent rester indépendants ou alors pas chercher d'éditeur. Et du coup ils ont besoin d'une somme pour faire un jeu. Comptes-tu faire The Night's Death? Je compte tester l'accent différent. C'est ça, tout le monde peut pas avoir l'argent de Devolver ou d'Annapurna Interactive, quoi. Non, en vrai, c'est plus discutable souvent quand Shenmue 3, tu vois. Shenmue 3 qui arrive en Kickstarter, t'as envie de leur dire, bon les gars, s'il vous plaît. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Est-ce que se faire brasser sur un gacha, c'est une tautologie, un peu? Ouais, Yacht Club Games, clairement, comment dire, le contenu qu'ils ont foutu sur Shovel Knight, ils ont mis 4 jeux dedans. Shovel Knight, c'est un jeu, mais les 3 DLC par-dessus, c'est 3 jeux en plus, en vrai. Mais surtout les deux derniers. Shovel Knight Spectre of Torment et Shovel Knight King of Cards, c'est limite des jeux plus complets que Shovel Knight de base, hein, chacun. Et pour tous ceux qui avaient kickstart le jeu à la base ou qui avaient acheté Shovel Knight au début, c'était gratuit. Hein. Tu n'as jamais rien repayé. Hein. Si t'avais acheté Shovel Knight, genre la première ou la deuxième année d'existence du jeu, t'as jamais rien repayé. Hein. Sauf qu'eux, ils l'ont développé derrière ça. Bon, c'était des promesses de Kickstarter, mais je suis sûr que ça leur a coûté plus cher. Après, ils ont gagné de l'argent sur Shovel Knight, mais je pense qu'ils ont tout réinvesti parce que... Déjà maintenant, Yacht Club Game édite, donc c'est eux qui ont édité Cyber Shadow, qui était un jeu excellent d'ailleurs. Fait par une seule personne en termes de développement.
Et donc déjà ils éditent, et en plus de ça ils ont fait Pocket Dungeon, ils ont Dig qui arrive. Donc je pense que non, ils sont vraiment dans une stratégie où ils ont full réinvesti tout ce qui leur tombe dessus, et ils ont sûrement besoin de cet apport pour faire leur prochain jeu. Hein. Enfin tout du moins pour que le prochain jeu sorte pas dans 5, dans 5 ans et qu'il soit comme ils le veulent quoi. Ouais, c'est Xong, ce sera gratuit pour ceux qui avaient back Hollow Knight, bien sûr. Hein. Hollow Knight, Kickstarter à genre 70 000 dollars australiens, un truc comme ça. Hein. 50 000, 55 000 dollars australiens Hollow Knight, je sais plus, enfin c'était vraiment pas énorme. Mais tous ceux qui avaient cru en Hollow Knight sur le Kickstarter, ils vont avoir Xong gratos. Bon, c'était une promesse, donc ils attendent leur promesse de Xong depuis 1000 ans, mais... 300k, surtout pas pour faire le jeu. Bah, c'est le bare minimum qu'il leur faut sûrement pour réaliser un truc, mais ils savent très bien, je pense que ça va faire plus. Hein. Ça, après, il y a la méta Kickstarter. Sauf que la méta Kickstarter, c'est pas un truc ultra, ultra sain. Quoi. On a fait Delirium, hein. Ok. Bon bah c'était pas passionnant, mais ça passe quoi. Abaddon. Ah oui, j'avais pas Abaddon, ok. Bah il était temps, hein. 430. Hop. J'ai écrit 4330 dans le titre. 4330 succès. Nous sommes en train de jouer à Binding of Isaac, The Rebirth of the Repentance. Merci Nolloware 2. Pour les 5 subs offerts à la commu. Des gros bisous, Nolloware. Merci, merci. La bise. Dis-lui. On pourrait finir Azazel avec une run Mother, quoi. Et genre Azazel serait Terminado. On aurait pu à le jouer et ça me ferait bien plaisir. Curse of the Blind. Alors après Mother, le problème c'est qu'il faut que ça tombe, quoi. Faut qu'on ait de quoi faire Mother en fait. Il faut la stream pédale. Oh putain, la stream pédale. Elle marche bien la stream deck pédale là. Il y en a qui l'ont testé. Oh putain. Le pire c'est que c'est une bonne idée. Enfin le... Je pense que le pire c'est qu'ils vendent ça à 250 balles à mon avis. Je sais pas comment ils vendent ça la stream deck pédale. AlphaCast il adore. Oui, non, mais 100% des gens qui sont en partenariat avec Elgato adorent. Non, mais 100. Sans animosité, attention. Hein. Mais je veux dire... c'est une... enfin, il l'a reçu d'Elgato, non? Moi, je serais pas... C'est pareil, hein, quand on m'envoie un produit, j'adore. C'est pas... Je suis pas en train de dénoncer quoi que ce soit, hein. Attention. Hein. Mais je me demande s'il y a des gens qui l'ont acheté, parce qu'il faut, l'acheter. Si, enfin, souvent, quand tu, pour dire si un produit est bien, faut acheter et voir, quoi. Le rapport qualité-prix. Parce que moi, ouais, par exemple, les Light Elgato, là. Les Light Elgato, c'est 200 euros unité. Hein. Je les ai achetés. Bah, je regrette, tu vois. Alors que si on me les avait envoyés, je serais en mode, ouais, bah putain, trop bien. Le produit est trop bien, mais à 200 balles l'unité, c'est de la merde, quoi. Après, le truc, c'est que là, la pédale Elgato, personne, pour l'instant, n'en fait chez le concurrent. Du coup, j'adore Arceus. Ouais, bah, je suis premier fan, hein. Oh, l'île Dumpy a chier. C'est juste que je remets pas en cause l'intégrité des gens ou leur, comment dire, leur objectivisme, machin, mais pour moi, c'est impossible que tu sois totalement objectif sur un produit si tu l'as pas payé. Et je suis premier à le reconnaître. Genre, demain,
tu m'envoies la clé d'Horizon Forbidden West avec une télé pour le tester, je suis sûr que mon test sera biaisé. Et je suis sûr que n'importe qui aura un biais. C'est sûr. Tu peux pas, c'est impossible de rester totalement objectif face à ça, tu vois. Ça se débat, hein. Mais de mon côté, je reste persuadé qu'il y a il y aura toujours un effet minimum. Magic 8 Ball. On va voir Bowser, on rappelle, hein. Déjà, il me faut une clé. Vas-y, Flynote, pour les 4 mois. 4 mois, pas mal de sub offert. Merci pour ton contenu qui me sort un peu de l'enfer de la dépression. Bisous à toi, à Eterna. Prends soin de toi, Flynote. Prends soin de vous. Si le stream vous aide, tant mieux. Tu vas aller depuis Basement 2. Ouais. Après, je viens de trouver des clés, mais... On ira au prochain étage, je pense. Let's go. Mais par contre, l'idée folle. C'est sûr que l'idée du Stream Deck Pédale, c'est trop bien. L'idée est vraiment très très bien. C'est juste que voilà quoi, le Stream Deck, quand c'est sorti au début, il y avait quand même des PC qui faisaient des écrans bleus. Ouais, Elgato, quand c'est branché à quelque chose, souvent, voilà. Dès que c'est branché à l'ordinateur, Elgato, il y a des petites chances de quack. Mais là, le Stream Deck, maintenant, très bien. Hein. Moi, le Stream Deck, je considère... On me l'a jamais envoyé. Peut-être qu'on m'en avait envoyé. Hein. Peut-être que mon premier Stream Deck, on me l'avait envoyé, c'est vrai. Bah, c'était à l'époque où ça faisait des écrans bleus. Donc. Mais le Stream Deck... Alors, je sais pas ce qui se fait chez la concurrence... Mais je pense que c'est indispensable quand tu streams. Que t'es la marque Elgato ou un truc concurrent maintenant. C'est trop pratique. Et comme tout le monde s'en sert, si tu t'en sers pas, t'as un cran de retard. Tu vois. Mais j'imagine que maintenant, il n'y a plus que Elgato qu'en fait, par contre. Et ça, c'est cool. J'ai oublié Petrified Poop. Oh, Holy Light, mais j'aurais jamais le pognon, si. Bah déjà, bien joué de pas avoir pris le Petrified Poop. Parce qu'on manque d'argent. Merci à l'Opère Noël pour les 2 mois de prime, merci pour ces streams de plaisir, et Technofis pour les 4 mois, des bisous. Comme un mec l'avait dit, même de la mauvaise presse, c'est toujours de la presse, donc même si quelqu'un chie totalement sur un produit qui lui a envoyé, se fait parler quand même du produit. Ouais. Alors après, pour le... Ouais, oui, non, si. Après, j'ai tendance à dire que l'influence, quand même... Elle est assez perverse en stream. C'est-à-dire que si... Par exemple, ici, tu vois... J'ai tellement craché sur Pokémon Arceus que tu peux être sûr que le jour où je veux le tester en live ou quoi, bah, il va y avoir une ambiance délétère sur le chat et ça va être une ambiance à base de on crache sur le jeu en permanence. Alors après, oui, ça reste une communication. Dans le lot, il y aura 100% des gens qui... Tu vas trouver des gens qui vont quand même se dire « Ah oui, tiens, c'est vrai qu'il y avait ce jeu, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils disent, je vais l'acheter. » C'est sûr. Mais bon, je pense qu'il y a un ratio à trouver quand même, parce que sur les streams, comme il n'y a qu'une personne qui parle et qui a absolument pas place au débat, vu que le chat, tu peux pas suivre tout ce que les gens disent, bah, souvent quand même, j'ai l'impression que si t'as un avis négatif, t'as beaucoup de gens qui le reprennent avec toi, quoi, en cœur, on va dire. Pas d'argent, ça dégoûte. Nos pognons. Holy Lighted. J'ai pas de clé, hein. Allez. Oh, le problème, c'est que j'ai pas de clé. Miss qui ? I miss qui ? Après, j'ai une clé au shop, mais moi, j'aimerais acheter l'objet, en fait. J'aimerais acheter Holy Light.
C'est 18 balles Holy Light, ouais. Je regarde un peu au niveau des pots. Nice. Ouh. Bon, Holy Light, on va pouvoir le prendre. Mais il nous faut la clé, il manque 5 pièces. Voilà en Curse Room, ouais. Oh, oh, la pièce de 10 dans le feu, là, vraiment? Let's go. La foule au petit aura payé, quoi. Pas les mêmes runs, hein. Après, je sais même pas si ça fonctionne, Holy Light. Je suis là en mode trop hypé, alors que ça se trouve, ça fonctionne pas. Terrible. Et tu vois, c'est con, mais pareil. Nintendo qui m'a envoyé Arceus. Tu vois, à la base, vraiment, Arceus, je voulais pas y toucher. Mais le fait qu'on me l'ait envoyé... Bon, j'ai payé le jeu. Hein. Alors, comme on m'a envoyé le kit, j'ai payé le jeu, et ils m'ont envoyé une clé. Mais la clé, je vous la filerai si on teste le jeu. Mais c'est vrai qu'à la base, s'ils m'avaient rien envoyé du tout, je serais sûrement... Genre, j'aurais vraiment pas joué, quoi. Alors que là, je suis en mode, bon, j'ai vu Louise jouer, j'ai vu des gens jouer, et puis bon, bah on va filer le jeu. Bon, allez, ça se teste, tu vois. Et de fait, ça marche. Alors qu'à la base, ça se trouve, j'aurais vraiment jamais touché, quoi. Ah. Oh non, pas cet étage. Louise, elle kiffe bien. Hein. Après, je le redis, hein. Ça a pas l'air d'être un mauvais jeu. Mais c'est 100% indigne de la licence Pokémon en termes de réalisation et de technique. Genre, au bout d'un moment, les fans de Pokémon méritent mieux. C'est tout. C'est indigne du succès de la licence, quoi. Et les trucs, c'est carte rouge face au succès de Pokémon, quoi. Pokémon, c'est une machine à billets comme jamais et c'est indigne d'avoir ça. Mais, je le redis, le jeu a l'air très bien. Genre, vraiment, tous les gens que je regarde jouer... Il y en a qui n'ont pas kiffé aussi, bah après ça c'est comme tout jeu, il y a des gens que moi j'adore Isaac, il y a des gens qui aiment pas Isaac. Il y a des gens qui aiment pas. Mais sinon il y a plein de gens qui ont l'air de kiffer le jeu quoi, qui sont en mode bah oui c'est vrai c'est moche mais je kiffe. Et ça tant mieux, hein, tant mieux, le contrat est rempli là-dessus. Hein. Parce que moi les premières vidéos j'étais quand même pas serein sur qu'est-ce qu'il fallait faire, machin, oh là, qu'est-ce que c'est que ça. Mais le truc c'est que ça, le problème c'est ce discours-là de dire... Ce sera sûrement mieux après, alors qu'en vrai, ça fait des années que on se dit ça et qu'à chaque fois qu'il y a une mini-amélioration, elle est gardée. Mais en termes de technique pure et de... comment dire de technique simplement et puis même de finition, bah, on n'arrive jamais au jeu parfait, quoi. Run nos clés, ouais. C'est là, le movement. Il était là. Il était là, il était dans l'ombre. J'aurais bien voulu une clé si possible. Mais moi j'espère en effet qu'ils garderont le meilleur de cette formule là. Et que derrière on aura un jeu qui techniquement respecte un peu plus la licence quoi. C'est tout ce que je demande. Hein. Ouais, Holy Light c'est pas mal quand même. Hein. Holy Light fait le taf. Petite clé. Qu'est-ce qu'on va préférer faire là pour la clé? On va aller en item room, je pense. Rainbow bébé. Magibo. Magibo mieux. Tu aurais pu ouvrir le coffre à pic gratos en transformant en Zolos. Oui, c'est vrai. C'est pas très grave. Fallait sortir de la salle en même temps, c'est chiant. Il est trop stylé mon Zolos, il est trop cute. Après, je reviens un peu sur ce que je disais au début de si c'était pas un jeu Pokémon, le jeu personne s'y serait intéressé, 2 sur 20, machin. Je pense pas. Je pense vraiment qu'honnêtement, après en avoir vu beaucoup plus,
Parce que du coup, j'ai quand même vu pas mal du jeu sans y avoir joué. C'est vrai que, bon... Je fais gaffe quand même, je suis en The Lost. C'est vrai que, bon... C'est globalement, en fait, un vrai renouveau pour le jeu, quoi, pour la licence. Pour la licence, comme c'est ce que je disais l'autre jour, c'est sûrement le meilleur de ce qu'ils pouvaient faire maintenant en termes de gameplay. Après, reste à réaliser des vrais jeux maintenant, quoi. Des jeux qui tournent sur Switch et pas sur GameCube, quoi. Tu fais pas le boss avec la carte The Fool, c'est vrai que j'aurais pu, hein. Putain, mais c'est pas là, c'est nulle part, terrible. On dirait qu'à chaque fois que tu dis bien de ce jeu, ça te fait du mal. Mais... C'est que... J'essaye d'y accorder vraiment du crédit, alors que pour moi... À la base, c'est vraiment carton rouge, quoi. C'est-à-dire... Je vois Pokémon, je vois... Allez les gars, on vous fait le renouveau de la licence, et je vois ces images-là, je me dis non. Donc... Oui, c'est un effort que je fais, parce que de base, pour moi, c'est no-go, quoi. C'est impardonnable, en vrai. De base, c'est impardonnable, je trouve. Donc oui, quelque part, ça me coûte un peu de dire du bien du jeu, parce que je me dis, de base, je devrais même pas y accorder de l'importance, juste pour ça, tu vois. J'aime bien la licence Pokémon, et quand je vois ça, j'ai un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule, tu vois. C'était impardonnable, tu n'y jouerais pas. Bah, j'y ai toujours pas joué, hein. J'ai toujours pas joué et... Je te dis, j'aurais pu là déjà en une semaine. Hein. Je l'ai pas lancé, hein. Merci le Lépreux pour les 6 mois de Prime, toujours un plaisir. Et Resorgs pour les 9 mois. Gnarnuk, on a dit merci pour les 8 mois et King Dressel les 51 mois de Prime. Putain, il a run Noki, quoi. S'il fallait suivre juste au trailer, Isaac est quand même pas très bon, on a juste l'impression de voir du caca, du vomi et du sang partout. Non mais Isaac, c'est pas la licence Pokémon. Enfin, Isaac, quand ça a été réalisé, c'est une petite équipe de développeurs et c'est pas les mêmes budgets, c'est pas la même force commerciale derrière. Enfin, je comprends pas trop là. Si vous comparez des grosses licences... Faudrait plutôt dire, je sais pas moi, il y a une autre grosse licence de Nintendo, c'est Zelda. C'est pas les jeux qui se vendent le mieux, mais depuis Breath of the Wild, c'est quand même un truc très hypé. Zelda, c'est une licence qui vend. Bah, si demain, le prochain Zelda, il ressemble à ça graphiquement, c'est du foutage de gueule, toi. Tu peux pas te dire un best-seller comme ça. De la même façon, hein, les jeux Monster Hunter, c'est... Par exemple, au Japon, c'est vraiment des... Ça vend des consoles, quoi. Au Japon, un Monster Hunter, il a annoncé, bah ça vend des Switch. Un Monster Hunter, il a annoncé sur console, PlayStation, machin, ça vend des PlayStation. Si demain, un Monster Hunter était annoncé exclusivement sur une Xbox, les Japonais achèteraient des Xbox, alors qu'ils en achètent pas. Bah si demain, le prochain Monster Hunter, il est montré, il est impardonnable graphiquement comme ça, c'est chaud, tu vois. Tu te dis quand même, avec la puissance de la licence, avec le succès de World et tout, tu te dis merde, quoi. Da-da-da-da. Après, des licences où il y a eu zéro respect, il y en a, hein. Marvel Avenger, le jeu est horrible, alors que derrière, il y a la puissance de Marvel et du MCU et tout. Mais les jeux à licence, je trouve ça un peu différent d'une licence qui, elle-même, s'est créée autour du jeu vidéo avec Pokémon il y a plus de 25 ans maintenant, quoi. C'est emblématique, alors que les comics, bon, c'est... Voilà. Donc ouais, non, je pense que quand on compare ce qui est comparable, c'est assez impardonnable. Ouais. Parce qu'entre les cartes, les produits, enfin les peluches, et moi-même, je suis client. Hein. Si demain, il y en a peut-être, hein, je me suis peut-être pas renseigné, mais si demain, il y avait des Pokéstores un peu partout en France et que tu pouvais aller acheter et faire la collection des petites peluches Pokémon, je serais le premier client. Hein. Si c'était aussi simple qu'au Japon.
Mais donc entre ça, entre les... Ça va, elle est bonne la pizza? C'est quoi? C'est la tienne. C'est une random? Non, c'est la... Ah, de... en marque? Ouais. C'est du Pizza Hut? Mmh. Ok. Tu veux t'en veux ou pas? Non, j'ai pas faim. Je veux pas de pizza. Roscoe, il veut de la pizza en tout cas. Oui, je veux de la pizza, mais est-ce que je fais bien dans mon genre, que j'ai mal au ventre, je sais pas. Est-ce que j'ai pas mal au ventre parce que j'ai pas mangé finalement. Pizza ananas, bien sûr. Glass eye, bien ça. La patoune. La patoune, je suis moyen chaud en vrai. Atamé. Vas-y, allez, on va prendre cette merde. La pizza micro-ondes, Charles. Let's go. C'est gratuit la patoune, ouais. HPIT 2. Ah, let's go. Hein. Boum. Boum, 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 boum. T'as l'impression d'avoir tes scamètes bien plus par Diamant et Perle que par Arceus? Bah oui. Bah ça, oui, évidemment, pour le coup. Parce que Arceus, il y a quand même du gameplay et tout. Non, vraiment, oui. Oh, le remake 4G, c'est pareil. C'est... Le remake 4G fait par une boîte de jeux mobiles, c'est terrible. C'est terrible. Le remake 4G est en chibi, là. Oh là là, le bordel. Après, Diamant et Perle, ça reste une génération que j'aime bien par nostalgie, mais... Je sais pas. Je préfère continuer mon Nuzlocke platine sur émulateur que continuer mon Nuzlocke Diamant étincelant, là, ou Diamant scintillant, je sais plus quoi, là. Puis pour le coup, enfin je veux dire, on est sur un remake et j'ai encore l'impression de jouer à un jeu d'il y a 1000 ans quoi. Pour moi les remakes, genre honnêtement quand il y avait eu Rosa, j'avais un peu l'impression que voilà, on avançait un minimum dans Pokémon. Là, le remake 4G, j'ai pas l'impression de jouer à vraiment... Enfin, je veux dire, il y a Pokémon Épée et Bouclier qui apporte des trucs. Moi je m'attendais à avoir le remake 4G en mode Pokémon Épée et Bouclier. Parce que globalement, quand, à chaque fois que normalement il y a un remake d'une génération, ça reprend un peu ce qui se passe actuellement dans les jeux de base, quoi, en termes de mécanique. Et là, pas du tout, quoi. J'ai l'impression de rejouer au jeu d'avant qui met 15 ans à se dérouler, où t'arrives dans un combat, il se passe 50 000 ans avant qu'il se passe quelque chose. 50 000 boîtes de dialogue. Le mini-jeu, là, pour les concours, c'était trop marrant, les concours sur DS. Bah là, c'est à chier. On a vraiment envie de ça. Red Candle, et cette fois je me trompe pas de couleur. Le chaos. Oh, ouh, insane ça. Un des meilleurs items du jeu. Rang S. Ta-da. Merci Racine de Témor pour les 6 mois. Soyushi, j'ai regardé VOD, découverte Death Door. Merci de me faire découvrir des pépites, j'ai pris la phase. Trop bien Death Door en même temps. Vas-y, il me faut de la pizza là. J'en peux plus, j'ai trop faim. Voilà, j'ai faim, j'ai pas mangé ce soir.
C'est pas pour les chiens. Je mange de plus en plus en stream, mais non, mais... C'est parce qu'on n'a pas mangé ce soir. Non mais voilà, je mange une part là, et après je mangerai hors stream. Va voir un médecin, c'est compulsif. J'ai pas mangé dans... C'est compulsif, j'ai pas mangé. Nick. Oh, ça pique. Un truc coincé, là. Compulsif de quoi? Allez hop. Ah, c'est parce que j'ai mangé récemment en stream, dans le movement, j'ai mangé des crêpes l'autre jour. Les crêpes, je les ai mangées de manière compulsive. Mais là, on me juge alors que voilà, vous ne connaissez pas ma journée. Aujourd'hui, j'ai pas mangé. J'ai mangé, mais ce matin, quoi. Et ça commence à faire tard par rapport à ce matin. Tot, 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 tot. Je me fais singed un peu, là. Super. Petit bâtard, hein. Au moins, on aura du tir rate, hein. Ouais, ça va me coûter cher, toutes ces histoires, en termes de cœur, là. Allez, manger. On a mangé à 15h30. Donc là, depuis 15h30, je vais pas manger. Mais j'ai faim. On doit avoir faim. Quelqu'un a compris ce qu'il a dit. J'ai pas mangé depuis 15h30. du matin. Merci au Rodrigue pour les 9 mois. En plus, j'en profite parce que dans 2 jours... Ah, l'argument est relâche. J'en profite parce que dans 2 jours, je me fais arracher 2 dents de sagesse. Les 2 dernières. Et du coup, je vais bouffer de la soupe et des compotes pendant N jours, en vrai. Comment ça se fait? Bah du coup, on a mangé à 15h30. D'habitude, on mange pas à 15h30. Du coup, à 19h30, on n'avait pas faim. Et puis aujourd'hui, j'ai mal au bide aussi. C'est pas une bonne chose de manger alors que j'ai mal au bide, là. Je reprends une part. Mais je suis en train de reprendre une part, là. Je finis cette part, je finis ma run. Et ensuite, je vais manger. Dans de sagesse purée pendant 1 mois, le bonheur. Ouf, t'as eu 1 mois, toi? Terrible. 1 mois, c'est long, un peu, quand même, hein. Moi, la dernière fois, là, que j'en ai fait retirer 2 dents de sagesse plus 1 dent en trop, j'ai eu, globalement... une semaine au liquide, et au bout d'une semaine, j'ai commencé à remâcher des trucs de l'autre côté. Ils ont pas du tout enlevé, non. Parce que je faisais en local. Je voulais pas de général, du coup. Du coup, il m'a dit, bon, si vous faites en local... faites côté par côté parce que sinon vous allez en chier, quoi. Je vais le nourrir, lui. Donc là, vendredi, j'y retourne. Rededans local, là. Bam bam. Pourquoi pas en général, hein. J'avais pas envie.
Oh vas-y, j'ai plus de cœur sur mes mendiants, c'est terrible. J'ai pas de range aussi, hein. Un peu terrible ça, ça va commencer à être chaud les étages là sans range. Non, la STG générale c'est pas risqué, c'est juste que j'ai pas envie en fait. Yera. Enfin c'est pas risqué, il peut... Tu vas avoir le cas sur N, tu vois, mais... On est arrivé à un stade où c'est plus risqué. Oh, j'ai pas de vie là. On est arrivé à un stade où maintenant tu fais une générale. Deux semaines avant, tu vois un... Merde. Un anesthésiste qui va t'expliquer tout le processus et tout. Il y a quelqu'un pas loin de chez moi. J'ai discuté avec lui quand on sortait les chiens. À la base, il est pas d'ici. Et quand il était jeune, il s'est fait arracher les dents de sagesse. En anesthésie générale. Et il m'a expliqué que la générale, il y a genre 40 ans, en fait, on l'a attaché au lit avec des sangles. Et puis après, boum, on l'a endormi avec un masque, quoi. Mais c'est jour J, quoi. Il n'y avait pas de rendez-vous avant ou quoi, tu vois. Il allait se faire arracher les dents, c'était, allez hop, on t'attache au lit et puis bonne nuit, quoi. Donc ouais, ça a bien évolué, quand même. Pourquoi attacher? Bah, je sais pas, pour pas que tu te débattes. Si jamais t'es plus d'accord. Si jamais tu fais une crise d'épilepsie, je sais pas. Papam, papam. Parce que là, il était en mode, bah, j'ai pas vu un hôpital depuis 40 ans et là, il doit faire autre chose maintenant qui nécessite une générale. Il a dit, ouais, ça a grave changé. Là, j'ai carrément un rendez-vous deux semaines avant et tout. On c'était pas là, hein. C'était pas en France. Si tu te réveilles avant l'heure, hein. Ils t'ont demandé de compter jusqu'à 100, t'as compté jusqu'à 2. 1, 2, boum, dodo. Non, moi j'ai juste pas envie d'avoir ce skip en fait. Déjà, on skip toutes les nuits en dormant et j'aime pas ça. J'adore dormir, mais j'aime pas le fait de me dire là on skip du tu vois. J'aime pas. J'aime pas me dire là je suis pas conscient. Du coup, faire une anesthésie générale, je me dis, bah si je peux le faire en local. Ah, évidemment, si j'ai pas le choix et qu'il m'arrive une merde et qu'il faut que je fasse une générale, je la ferai. Hein. Mais là, j'avais le choix, j'ai demandé au mec, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Il m'a fait, bah oui. Let's go. Hein. Vous avez peur des anesthésies locales et des seringues et de vous faire arracher les dents? J'ai fait non. Il m'a fait, bah allons-y. Il m'a dit, par contre, c'est impressionnant. J'ai fait, vas-y. Et de fait, c'est impressionnant. De fait, c'est très impressionnant, mais moi, j'aime bien. Ils t'ont demandé si t'avais bien préparé ton rêve. J'ai stressé parce que j'étais pas au courant qu'il fallait, mais attention, a dû faire un bond énorme juste avant que je m'endorme. Vous avez bien préparé votre rêve. C'est quoi cette brasse? Faut préparer son rêve quand tu fais une anesthésie générale. Ouais, bah en fait, je vais faire une générale, moi. C'est quoi cette histoire de préparer son rêve, là? On peut faire le rêve qu'on veut? C'était un troll. Putain, le meilleur troll, quoi. Juste avant de t'envoyer des produits qui dépendent vachement de tout ce qui se passe dans ton corps à l'instant T, on te fait un petit pic d'adrénaline, là. Vous avez préparé votre rêve, monsieur, j'espère. Et là, boum. Regarde, on a foiré l'anesthésie. Coup dur. Non, vraiment, oui, heureusement que la générale existe pour ça, parce qu'il y a plein de gens... C'est juste pas possible. Moi, le dentiste, ça m'a jamais fait chier. J'ai pas peur des aiguilles. Du coup, bah, let's go, quoi. Et de fait, ça s'est très bien passé, ça va très vite. Surtout si tu fais ça avec quelqu'un qui fait ça bien, quoi. Mais oui, heureusement que la générale existe, parce que... Selon ta sensibilité, c'est vraiment pas faisable. Hein.
Si t'aimes pas vraiment le dentiste, non. C'est non. Faut pas tenter, hein. Parce que justement, tu vas tenter, tu vas te chier dessus. Du coup, le fait de te chier dessus, ça va rendre le truc 10 fois plus long. Non, on se calme, là. Il va gerber. J'aimerais acheter War of Babylon, du coup. Mais j'ai pas de pognon. Ouais, le dentiste, je pense que j'y suis allé assez tôt dans ma vie pour... je sais pas. Je pense que ça vient de l'éducation. Mes parents m'y emmenaient assez tôt pour faire des vérifs ou quoi. Du coup, ils m'ont très vite rassuré et... Ça m'a jamais quoi que ce soit, en fait. J'avais très confiance en mes parents, du coup, bah... Pareil pour les seringues, hein, quand je suis allé me faire vacciner quand j'étais petit. Ils me disaient, il n'y a pas de raison d'avoir peur, non, ça se passe comme ci, comme ça. Comme j'avais confiance en eux, j'ai build de la confiance et j'ai jamais eu peur d'une seringue ou d'une piqûre. Ça va vraiment dépendre de comment ça se passe quand t'es gosse, en fait. S'il y a une mauvaise ambiance entre les parents et l'enfant, que ça va chez le médecin en traînant du pied et tout, t'as pas eu de dentiste qui t'a loupé. Tiens, je te demanderai d'aller voir les VOD dentiste qui m'a loupé sur YouTube. J'ai un dentiste qui m'a totalement loupé. Qui m'a refermé une dent cassée en l'infectant. Du coup, j'ai eu tout ce qu'il fallait, quoi. Nécrose de la dent, plus abcès dentaire par-dessus. Sauf que c'était pile au moment où j'avais déménagé en Belgique pour mon stage. Du coup, fallait que je trouve un nouveau médecin là-bas. Du coup, je suis resté 2 semaines avec les dents qui étaient infectées. Les vitalisations, tout ça. Arrivé là-bas, le médecin, enfin le dentiste, chirurgien dentiste là-bas, fait moi, je me serais fait soigner comme ça en France, j'aurais porté plainte. Je fais ok. Là, c'est la boucherie, ce qu'on vous a fait. Je fais ok, d'accord. Après, les opérations en soi, oui, ça s'est jamais vraiment mal passé. J'ai déjà ressenti des trucs et tout, mais... C'est vrai qu'il n'y a pas eu l'opération horrible où t'es là, tu ressors, tu fais putain. Bah si, en vrai, l'opération où on m'a raté et on m'a rebouché une dent en l'infectant, j'avais mal après, tu vois. Genre après l'anesthésie, j'étais en mode, waouh, ça fait mal quand même. Et je devais déménager ce jour-là. Du coup, je rentre dans mon appart à Bordeaux. Et il y avait mon père qui m'attendait. Parce que c'était vraiment un soin juste avant de partir, quoi. Et je commence à me coucher, à me recoucher dans mon lit en mode j'ai mal. Il me fait oh là là, qu'est-ce qui se passe, machin, on doit déménager. Il commence pas à nous faire un cinéma. J'étais en mode ouais, mais j'ai mal, quoi. Et de fait, bon bah, quand 2 semaines après, j'avais confirmation que je m'étais bien infecté, que j'avais pire soin, mon père était en mode ah oui, merde, ah, désolé. Ouais. C'est vrai que je traînais la patte un peu, je devais déménager, mais j'étais en mode oh, j'ai quand même un peu l'impression d'avoir la moitié du visage paralysé, quoi. Pas terrible, hein. Isaac. La death list, c'est non. Du coup, voilà. Ça pour dire que je profite un peu de manger des trucs qui se croquent là, parce que pendant une semaine, ça va être le retour à la soupe. Et la dernière fois, ça m'avait rendu taillant. Hein. On va yera les familiers, là. Sous le... Oh bah super. Super, vraiment génial, hein. BBF, quoi. Envie de péter un plomb. J'ai vu Boba Fett aujourd'hui, oui. Merci Delmixa pour les 17 mois. Mon prime s'est réveillé comme une rage dedans. Merci Nicotap pour les 3 mois. J'ai loupé qui? Et j'ai loupé Popen, 38 mois de T2. J'ai fait une journée à arrachage dedans, une triple 2Z hier. Bah c'était tendu au taf. J'imagine.
Merci au Repoteur pour les 400 bits, je viens de rentrer, je torchais, j'ai deux jours de rediff à rattraper, ça va le faire. Désolé si j'avais du retard. Ah, vivement qu'on aille manger là. Mais c'est quoi le bail là? Vous racontez vos pires anecdotes de... Vous allez faire tourner les gens de l'œil, hein. Changer de sujet là, par pitié. Tulut, tulut. La BBF, putain, je voulais tellement pas ça. 250k enfin. De quoi? De Shish Miles? Terrible. Encore trois fois ça, et tu me fais payer. J'ai vu le morceau de Red Kim, honnêtement, on s'en fout là. Bah t'es un stream de chio après 3 pintes, c'est sympa. Ouais, beaucoup de choses sympas après 3 pintes, hein, c'est un peu le problème. Hein. Tot, 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 Soul of Isaac. C'est un peu le problème qui fait qu'on doit rappeler que faut boire avec modération, quoi. L'alcool, c'est un vrai fléau, hein. Quand tu vois que t'es là, tu galères toutes les nuits à dormir. Tu t'endors mal, tu stresses, t'angoisses, machin, et la soirée où tu déglingues quelques pintes de bière, tu t'endors en 2 secondes. C'est un vrai fléau, ce merdier. Hein. Mmh. Oh non, je me suis fait toucher par le pire truc. Oh non, mais BBF qui me chie dessus. Oh, je vais devoir faire attention, du coup. Oh là là. BBF de mort. Ah, par contre, BBF, ça synergise bien. Homme's Lipstick, Soul of Lilith, le retour avec un Séraphin Baby. Et ça, ça fait plaisir. Merci S2G Phoenix pour les 15 mois, des bisous. Oh. Oh, j'ai eu de la range, enfin. Ah, ça fonctionne même aussi sur les... Oui, ça fonctionne aussi sur les mouches explosives, c'est vrai. Pas que sur la BBF, mais aussi sur les mouches du Harbingers. Mmh. The Magician. Boum. 3 BBF, trop trop bien, en fait. Hein. Insane, avec un personnage qui a Brimstone, c'est fou. Est-ce que je continue FF14? Oui. Après, là, en ce moment, mon temps de jeu hors ligne est pas énervé, mais oui. Je venais d'être dragonnier, là, trop bien. Lancier dragonnier. Pour bien dormir, rien de mieux qu'une tisane et un bouquin. Ça c'est validé, hein. Ça, c'est validé que pour bien dormir le soir, rien de mieux que de se mettre dans un bon mood. Mais des fois, quand t'as pas le temps... Parce que tu vois, genre, c'est vrai que je pourrais faire ça, tu vois. Après mon stream, des fois, je fais ma VOD et je pourrais, genre, me dire, allez, je vais reprendre du temps. Et genre, je me cale un bain ou je me cale, je sais pas, un truc pour redescendre. Mais souvent, en fait, je le fais pas. Et juste, bah, je sors du stream et je vais me coucher et du coup, bah, je dors pas, tu vois, je dors pas direct. Ou alors, j'ai des trucs, je me dis, je dois faire des trucs et je fais des trucs. Alors qu'en vrai, ouais, pour bien dormir, juste avant de dormir, tu te lis un petit bouquin. Tu te fais, comment dire, un petit bain ou ouais, une petite tisane et hop, let's go. Hein. Après, il rigole pas trop le Brimstone, hein. J'aime pas le Lil Dumpy, il fait n'importe quoi sur les patterns des monstres, c'est terrible. Là, ce soir, je sais que je vais mal dormir. Parce que là, je vais manger. Et je vais voir me coucher pas longtemps après. En plus de ça, le pire truc, c'est que c'est de la pizza. La petite pizza avant de dormir qui s'assure des cauchemars assez incroyables. Hein. Non.
Let's go. Petite Ewaz à la fin. Allez hop, deux succès là-dessus. Devil's Crown, ainsi que Suki Baby. Why not? 432. Hop. Hein. Un post-it de plus. En moins. GG. Oh, bon bah merci. Hein. Merci YouTube. Au revoir YouTube. Tac.